Alors j'ai baissé le bitrate à 1500. Normalement j'envoie du 3000, je l'ai diminué de moitié. Donc normalement ça devrait passer. Si ça passe pas, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire si ça ne passe pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Salut, salut aux arrivants. Ah, je ne sais pas quoi faire si ça passe pas, parce qu'après je peux, si je descends plus bas, on n'aura pas de HD. Si je descends plus bas que ça, il n'y aura pas de HD, donc ça sera pas cool du tout. Mais normalement ça devrait passer. Normalement ça devrait passer là. Bonsoir Romain, ça va, ça va. Ça va, on essaie de bien régler les choses pour que tout le monde puisse profiter du live sur Twitch. Parce que moi en fait j'ai le live aussi en même temps et j'ai pas de problème en fait. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop où. Bon, on va commencer. Hein. Bam, 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 bam. Ah ouais, les gars, vous avez pas. Ah ouais, c'est parce que vous avez pas. Ça bug aussi pour toi, Romain. Ah, c'est triste. C'est triste tout ça. Heureux. Ah mais c'est chaud si ça bug chez vous, hein. C'est tendu, hein. C'est tendu. Bam. Hop là, je fais n'importe quoi moi aussi. C'est vrai que sur. Ok, là ça bug plus. Ok, d'accord, parce que j'ai baissé le framerate. Ok, d'accord, ok. Faut que je fasse attention à ça, parce que vous avez pas tous la même connexion. Ryuga, fais un rafraîchissement. Rafraîchis la page, je sais pas, fais quelque chose, je sais pas. Mais normalement ça devrait passer puisque là j'envoie le minimum pour que le jeu soit HD. Il devrait pas avoir de problème. Après là c'est votre connexion qui est pas qui n'est pas au top. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va commencer tout de même, hein. On va pas rester là pendant 15 minutes. Commencer quand même ici l'histoire de Piccolo-san. Continuer. J'ai fait un effort et tout pour mettre le chat et tout. Pour que ça soit beaucoup plus... Ah non, mais c'est même pas Piccolo. C'est même pas Piccolo, tiens. C'est cet animal de Krillin. Krillin, là, combien? Il a deux chapitres. On va faire Krillin. Hein. C'est pas grave, ça va pas prendre beaucoup de temps. Alors, est-ce que j'ai vu... Il y a un décalage entre l'image et le son. Il y a rien qui va ici, hein. Non, où t'as un décalage entre quand t'as écrit et ce que tu vois. Ça, c'est normal s'il y a un décalage.
s'il y a un décalage entre ce que vous venez d'écrire et ce que vous venez de voir à l'écran, c'est normal. Après, normalement, il ne devrait pas avoir de décalage entre le son et... le son et l'image. C'est parti. Alors, est-ce que j'ai vu l'épisode 2 de DBS? Non, je l'ai pas regardé. Je n'ai pas du tout regardé l'épisode 2. Je vais attendre qu'il y ait 5 ou 6 épisodes. Après, je regarderai tout d'un coup. J'ai pas envie de... Ah bon? Tu m'entends après, il y a l'image qui suit après, mais vous avez beaucoup de problèmes. D'accord. Ok pour Yuga. Ça fait pareil pour toi aussi, ça fait la même chose pour toi, Chams. Kirisu. Ok. Ok, celui-là il a pas de décalage. C'est, ça doit être votre connexion. Hein. Ah, je suis désolé. Ah là là, c'est triste. C'est triste. D'autres plus forts viendront dans un an, à deux, un. On va faire l'entraînement d'abord ici avec... On n'a pas besoin du libéré potentiel parce qu'il l'a pas à ce moment-là. Prends le Kamehameha, les deux Kamehameha, le Kenzan. Et on va prendre... On va prendre... à nous la puissance et c'est parti. Ouais, ça doit être votre connexion ou il doit avoir... je sais pas, il... Je sais pas, je peux pas vous aider à ce niveau-là. Je peux pas du tout vous aider à ce niveau-là. Bah, je suis incapable de régler les problèmes de connexion, mais normalement ça devrait passer puisque je... Ok, Romain Fontaine. Ah oui, mais Romain, toi, tu es à l'île de Réunion. Mais normalement, quand vous faites un clic droit, par exemple, si vous êtes sur votre PC et vous faites un clic droit sur le lecteur de Twitch, vous avez la possibilité de changer la qualité par rapport à votre connexion. Un clic droit, je crois, c'est ça, je sais plus. Non, en fait, non, je sais plus ce qu'il faut faire. Non. Tandis que je regarde ça. Peut-être dans paramètres. Non, fermé. Parce que vous avez la possibilité, en fait. De choisir si vous voulez soit high ou pas high ou je sais pas quoi, je sais plus rien. C'est dommage parce que je compte faire maintenant tous mes streams sur Twitch parce que Twitch est beaucoup plus intéressant à ce niveau là que YouTube où il y a un gros décalage. Un gros décalage et des soucis. Et des soucis de plein de choses. C'est bon, t'as fait Romain ce que je t'ai dit sur l'écran. Vous appuyez sur l'écran de Twitch et vous choisissez la qualité, vous mettez par rapport à votre connexion, après ça devrait passer. Voilà. Après je peux pas plus vous aider que ça, hein. C'est comme sur YouTube quand vous avez la possibilité de chercher choisir. En fait YouTube c'était bien parce qu'on pouvait choisir entre le 720p. Le 480 et le 240p, je sais plus. Donc si vous avez des petites connexions, faites ce que je vous ai dit. Cliquez sur l'écran du lecteur Twitch et choisissez la qualité en fait. Et après ça devrait passer nickel. J'ai pas eu ce que je cherchais.
Ok, c'est cool si c'est bon pour toi, Romain Fontaine. Alors, on a le détecteur. On va aller chercher les trois boules de cristal qui sont ici. Trois boules de cristal. Voilà, il y en a une ici. On va les récupérer. De maître Karine calmement. Pam 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 pam. Taïou, ok. Alors, on a pris un niveau gratuitement, ça c'est cool. On va améliorer l'attaque, bien sûr, toujours. Toujours l'attaque. Ici il y a trois boules de cristal à choper. Les Skill Twins. Non, je connais pas du tout. C'est quoi? Je ne connais pas du tout Romain. Attaque. Je vais faire nos Dragon Ball tranquillement. Sans pression. Après, je vais faire quelques minutes d'entraînement. Et après, je vais commencer l'histoire. Où es-tu? Où es-tu? Je suis à terre. Ok, d'accord, j'ai vu. Alors, je ne lis plus les dialogues. Hein. Plus le temps. Pas le temps, faut y aller. Yamushazu. Ah ouais, j'ai envie de détecteur. J'ai envie de l'autre. Alors, spoil, vous trouvez ça normal que Vegeta dans l'épisode 2 de DBS il galère à 150G. Oh là là, le mec il me spoil en plein. J'ai dit que je voulais pas regarder les épisodes avant le 5ème. Oh là là, les mecs. Aucun respect. Alors Strong World, tu pour régler la qualité du stream, pour pas avoir de problème, ce qu'a fait Romain Fontaine. C'est que tu fais un clic droit sur l'écran de Twitch. Ah mais non, mais t'es sur portable, c'est ça? T'es sur téléphone portable? Non, même sur portable, normalement ça devrait... Tu peux choisir la qualité du stream par rapport à ta connexion en fait. Sur portable, tu mets toujours détecté par rapport à la connexion et ça devrait passer nickel. C'est pas grave Yoga, c'est pas grave. Bah, je peux pas trop te répondre parce que comme j'ai pas vu l'épisode, je peux pas savoir, je peux pas réellement savoir ce qu'il en est. Donc voilà, voilà. Alors, on va se taper un petit peu parce que je sais pas où est l'autre Dragon Ball. Je crois qu'elle est ici. Elle est quelque part par là, mais où exactement? Il y a un truc à faire ici.
Mamie voyante. Elle est là. Elle est là. Bah, ce que tu peux me dire, Ryuga, c'est comment tu trouves Dragon Ball. Ah, vous avez vu ce qu'il a dit, Krillin? Dragon Ball Super. Oui, c'est option de qualité source. Et tu modifies et tu regardes lequel correspond le mieux par rapport à ta connexion en fait. Tu peux me dire, Ryuga, ce que t'en penses pour l'instant des deux premiers épisodes, sans spoiler le deuxième, sans trop en parler, mais qu'est-ce que tu en penses pour l'instant, ou vous, ce que vous en pensez pour l'instant des deux premiers épisodes de Dragon Ball, même si ce sont des épisodes qui vont... D'ailleurs, c'est des épisodes qui mettent, remettent l'histoire en place pour ceux qui ont quitté l'histoire il y a très très longtemps, alors que, rappelez-vous, il y a eu Dragon Ball Z Kai qui est sorti il y a quelques... qui s'est terminé la semaine dernière, quoi. Il y a 2 semaines, donc je pense que tout le monde est encore dans le bain par rapport à Dragon Ball Kai. Donc il faut voir... J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de DB Super pour l'instant. Alors, salut Ilias Gaming. Alors, si t'as des problèmes de stream, pareil, tu cliques sur l'écran de Twitch et tu fais option de qualité source et tu choisis la qualité qui correspond mieux à ta connexion. Voilà. Nani Moroda. Ok, c'est cool, Strong World. Ça serait dommage que vous ratiez mon premier live sur Twitch à cause de problèmes de connexion. À cause de problèmes de connexion, sachant que là on a beaucoup plus de possibilités qu'avant, mon dieu, qu'est-ce que je fais? Je fais de la pub pour ma chaîne. Ah, maintenant qu'on a plus de possibilités sur Twitch, ça me permet de faire plus de choses, le temps de réaction, de latence est beaucoup plus rapide, beaucoup moins longué que sur YouTube, parce que sur YouTube on a des serveurs qui peuvent aller de 30 à 1 minute de décalage, c'est un peu chiant à ce niveau-là pour interagir avec vous. Là ici il y a maximum 25 secondes au max et au pire 30 quoi, c'est pas la mort. Et donc, et puis je préfère, de toute façon, pour l'int... Ouais, pour... Je préfère pour... Pour tout ce qu'on peut faire. Alors, il y aura toujours du décalage, hein. Je serai pas en direct, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça, les lives. Puisqu'on n'a pas des serveurs qui font... Zéro frame, comme on dit, ce sont des serveurs. Le temps que ça passe à Paris, que ça revienne, que ça aille chez vous, après ça dépend de vos connexions. Si vous êtes. Vous aurez toujours. Putain, je peux encore parler tout de suite. Vous aurez toujours du décalage, de toute façon, dans tous les cas. T'auras toujours des gens qui auront moins de décalage que d'autres. Donc voilà. Après ça, je peux rien, ce sont les serveurs qui sont comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai mis en même temps le chat sur le côté, comme ça vous pouvez voir ce que vous écrivez. Et vous perdez pas le fil de la conversation. Moi aussi je le perds pas comme ça. C'est-à-dire que je peux, vous voyez à quelles questions je réponds, parce que je trouvais ça assez fatigant sur YouTube, parce que je répondais à des questions qui étaient passées 30 secondes avant, 1 minute avant, et alors que vous étiez sur autre chose. Mais il est où le truc là pour se taper là? Je cherche l'endroit pour se taper contre Cyberman. Ça, ils auraient dû le mettre mettre en relief sur la map. Kenzan. Non, on va se taper quand même. Ouais, c'est pas grave.
Parce que je me suis équipé d'un truc de ouf là. C'est dans le ciel. Ah, ces chacals, qu'avez-vous fait? Leur qui se déplace vers le gros qui? Cela se passe plutôt que vous. Alors, dans la première partie de l'épisode, il raconte des choses pas vraiment intéressantes, mais dans la deuxième partie, on a l'adaptation de Battle of God. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Et pour l'instant, vous en pensez quoi des dessins et tout? Est-ce que vous trouvez ça dynamique? Bah, il y a dynamique. Dynamique, façon de parler, parce que là, il n'y a pas encore eu de combat, je pense. Je présume. Donc, dynamique. Mais est-ce que vous êtes satisfait? Alors, vache, attendez. Je ne me suis pas échauffé avant. Lolo. Oh, je me suis pas échauffé, c'est méga manchot. J'arrive à rien. Je me fais défoncer par un Saibaman. L'angoisse. Alors, Screw World, je ne parle pas ce langage, j'ai pas compris. Mercredi, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort, abusé, première mort du live. Tu commences à parler alsacien. Désolé, bah oui, je comprends pas l'alsacien. Ah, en plus, le frélin, il a pas du tout le même combo que les autres. Il a pas le avant en carré-carré. Il a explosé, il s'est tué tout seul. Les dessins sont magnifiques, un chef-d'œuvre, super beau. Chez moi, sur Twitch, c'est plus fluide que sur YouTube. Bah, bien sûr, parce que YouTube, c'est pas vraiment une grosse plateforme de streaming. Mais après, Twitch, c'est des spécialistes. C'est pour ça que je suis passé sur Twitch. Mais j'étais déjà sur Twitch avant. Mais là, je repasse sur Twitch. tout à fait d'accord avec Romain Fontaine. Que je suis un peu nostalgique des dessins d'avant. Ouais, toujours, ouais, les dessins d'avant, ils avaient un certain charme quand même. On est passé directement au niveau 12, on rigole pas. Alors... J'ai super en parlant des graphismes du jeu. Ouais, c'est vrai que moi, les anciens dessins avec des visages... pas très... parce que là, c'est super carré, en fait. Comme le Krilin que vous pouvez voir, là. C'est, voilà, c'est super carré, c'est super lisse, en fait. Ça fait propre. Ça fait propre, et avant, ça faisait pas propre. Genre comme les dessins de Super Saiyajin Broly. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Là, on peut enchaîner directement parce qu'on a pris 12 niveaux. C'est plus que suffisant. Ici, pour enchaîner les adversaires. Alors, est-ce que vous avez encore des problèmes? Est-ce que vous avez encore des problèmes de connexion, tout ça? Ça fait manga en gros. Bah ouais, ça fait manga de maintenant quoi, manga modernisé, manga, comment dire, du manga moderne. Voilà, ça fait manga moderne, ça fait ça rentre plus dans la norme de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire des dessins faits par ordinateur. Fait sur une tablette graphique. Après, c'est pas... Moi, j'aime bien, puisque ça fait neuf, ça fait propre, mais avec de l'ancien, donc on reconnaît quand même les personnages.
Et la coiffure de Goku qui a changé. Ok. Donc là on est en train de jouer avec Krillin. Krillin qui fait le rôle de Luffy. Bon ben. Ah là Stronghold, là c'est ta connexion qui fait ça. Et comme tu m'as dit t'es sur portable, je pense que c'est le cumul. Ça doit être le cumul. Allez, on l'envoie hors du décor. N'a pas sens, Susai. Ex-bomba. C'est chiant parce que Krillin n'a pas les mêmes combos que les autres. Ouais, c'est la première fois que ça t'arrive. Je connais pas Skill Twins. Je ne connais pas Romain Fontaine. Je connais pas du tout. Oh là là, niveau 15 direct d'entrée de jeu, ça rigole pas. Hop, on rajoute ça ici. Tac, on a gagné une barre de vie en plus. Et c'est parti, on continue. Bot contre BJ, Tassama. Tu peux me dire ce que c'est Skill Twins? Parce que je connais pas du tout. Ah mais Krillin il se bat pas contre Vegeta. Dommage. Et si je dois dire un truc aussi sur Dragon Ball, j'ai remarqué que les super guerriers deviennent de plus en plus maigres. Premier épisode de DBZ, Goku a une musculature bien développée. Tandis que dans le premier épisode de DBS, Goku a l'air vraiment plus maigre. Ouais, il a perdu du muscle. C'est vrai, Ryuga, ouais, c'est vrai que Goku... Ouais, mais c'est à cause de la modernisation des dessins, en fait. Tu vois, c'est à cause de la modernisation des dessins, c'est-à-dire que... Ils l'ont beaucoup plus affiné. Parce qu'avant, c'était quand même assez grossier, les bras et les biceps de Goku quand tu regardes dans les épisodes. Pas dans le manga papier, parce que dans le manga papier, il est super bien dessiné, mais dans l'anime, des fois, c'était abusé, quoi. C'était tellement grossier que... Des fois, il était bien dessiné, des fois, il était mal dessiné. Donc voilà. Comme dit Kirisu Champs, c'est la mode. Il faut des héros fins et élancés pour aller de l'avant. Mais c'est vrai. Comment ça s'appelle, Super Saiyajin God. Bah Goku il perd au moins il doit perdre 20% de volume musculaire quand il est en Super Saiyajin God. Quand tu vois qu'il est en Super Saiyan et quand il est en Super Saiyajin God, il est tout fin. Je sais pas, c'est une volonté de terre. Tu feras Bleach sur PS3. Lequel? Je sais pas du tout. Lequel je... J'en sais rien. Pour l'instant, je taffe les Dragon Ball. Mais il y aura de plus en plus de live, en fait. C'est pour ça que je passe sur la plateforme de Twitch qui me permet de balancer un live comme ça, sans faire toute la programmation derrière. J'ai juste à appuyer sur le bouton live et puis c'est 10 secondes après, c'est balancé. Et ça va me permettre de faire beaucoup plus de live en fait. Beaucoup plus régulièrement. Et après il y aura les rediffusions sur YouTube.
tout simplement. On va se concentrer sur ma chaîne Twitch pour tout ce qui est live. Et ensuite, sur YouTube, vous pourrez retrouver, comme sur mon programme c'est marqué, vous pourrez retrouver les aventures de Santana sur PES 2015. Pour retrouver des vidéos tests, des vidéos avis, détente, des trucs comme ça, où j'explique des choses. Et ensuite, tout le reste se fera en live. Que ça soit du 100 000 combo, que ça soit esprit RPG, tout ça, on va faire ça en live. Ça va être beaucoup plus, ça va être beaucoup plus sympathique, je pense. Bah pour moi, ça va être plus sympathique. Donc pour Bleach, je ne sais pas du tout. Là, j'ai prévu de faire, j'ai prévu de faire une nouvelle émission. Intitule Rétro Game H, qui va consister à finir des jeux auxquels j'ai jamais eu le temps de jouer, auxquels j'ai pas eu le temps de poser la main dessus. Bah j'ai pensé, dis-toi que Straw Wolf, j'ai pensé à toi parce que j'ai téléchargé, parce que tu m'as demandé la dernière fois si je faisais des jeux de course, j'ai téléchargé, comment ça s'appelle, le jeu gratuit là sur la PS4, sur le PSN, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié, Drive Club, voilà, j'ai téléchargé Drive Club, j'y joue de temps en temps et puis je me suis dit, ah, peut-être que je devrais faire voilà, un petit live où je vous montre mes talents de conducteur, même si, de pilote, même si je suis pas, je sais pas du tout jouer au jeu de course, c'est un fait, je le nie pas, hein. J'ai pas le niveau là-dessus. Et j'ai pensé que ça aurait été assez sympa de partager aussi quelques jeux de course, sachant que le dernier jeu de course auquel j'ai joué, c'est Need for Speed Underground. Donc ça remonte à pas mal de temps, donc il va falloir se remettre un petit peu dans le bain. Hop. On va jouer le cristal ici. Bon, ici peut-être. Voilà, la boule de cristal est là. Donc voilà. Donc voilà, voilà où on va avoir. En fait, c'est pour proposer beaucoup plus de choix et vous permettre aussi d'apparaître dans le chat. Parce que je trouve ça beaucoup plus sympa que vous apparaissez dans le chat. Que le chat apparaisse dans la vidéo en fait. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et voilà. Surtout quand je vais lancer très prochainement. Il faut attendre, hein, parce que là, moi je vais attendre Tekken 7. Moi je vais lancer très prochainement bah, les tutos sur Tekken 7, des trucs comme ça. Et les tournois pour gagner le 100 000 litres, le titre du 100 000 litres, le 100 000 litres comboteur de la chaîne. Donc voilà, des trucs comme ça, c'est sympathique, des petits tournois entre nous. Voilà, je vais essayer de développer un peu tout ça. Pour qu'on se fasse de plus en plus plaisir en jouant aux jeux vidéo, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que je joue en club au foot? Je jouais en club, là je joue nulle part, là je sais pas si je vais... Je vais me réinscrire cette saison, on sait pas où je vais voir. Mais pour l'instant, je suis à la salle de muscu, à la salle de sport. Hein. Je suis à la salle de sport, de fitness, tout ça. C'est voilà pour rester en forme. Donc voilà, mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, j'ai pas de club. ça te touche. Bah oui, Straw World. Attends, tu m'as parlé de Initial D et tout. T'es un connaisseur d'Initial D, très gros manga. Tu vois, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et puis quand j'ai joué à Drive Club et j'ai commencé à faire des drifts, j'étais pas au Mont Akina, mais bon, j'ai commencé à faire des drifts. Et je me suis dit, ah, ça serait pas mal parce que
Il y a Strongwall qui m'a demandé si j'allais faire des jeux de course. Ce serait pas mal que je fasse quelques jeux de course sympathiques. Et donc voilà. Voilà, j'y ai pensé et ça se fera. Ça se fera, vous inquiétez pas. En live. On va bien se marrer, vous allez voir mon piètre niveau en tant que pilote. Moi aussi je fais de la muscu. Bah oui, il faut faire de la muscu. Faut être énorme. Énorme. Comment ça s'appelle les manches de sa chemise. Faut que le biceps dedans. Faut pas que le biceps flotte dedans, il faut qu'il éclate. Non mais non, il faut faire de la muscu pour être en forme en fait. Pour être en forme physiquement. La muscu, du cardio, tout ça pour être en forme. Surtout quand vous avez arrêté le sport, faut faire quelque chose à côté. Vous vous rappelez du premier Final Flash de Vegeta contre Cell? On dirait qu'au fil du temps il devient moins puissant. On fait la taille du deuxième Final Flash contre Cell Junior. Ah, je sais pas en fait, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé en fait la taille du Final Flash. Même si la taille ça veut rien dire hein, parce que. La veine du Bibi, ah ça connaît Thibaut Enchep. Ah elle est ouf ici. La veine du Bibi, c'est clair. Strongworld, moi je fais du sport de chambre. Ah là là, Strongworld, c'est aussi du sport hein. C'est de l'endurance. C'est beaucoup d'endurance. Ça taffe ton cardio le sport de chambre. Ah là là, ça chauffe les vidéos de Thibaut. Oui, oui, je connais Thibaut. Oui. Ah, vous avez entendu quand il a dit le Suge? C'est le Suge à Yushin. Hein. Là, c'est. Là, il n'y a pas de mytho. Hein. C'est Luffy qui parle. Suge! Il est impressionné par les conneries de Chapa. Et il balance le Suge comme ça. Voilà, vous entendez. C'est violent le Suge. Suge! Namero. Et Erwan Baudelec. Non, je connais pas. Je connais pas. Je connais pas du tout. Allez, on va finir le chapitre. Ah là là. Attention, Strongwall, il y a des enfants ici. Il faut pas aller. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Au moins c'est un sport qui te permet de dépenser de ne rien dépenser hein. Tu utilises le matériel qui se trouve à la maison. On va dire ça comme ça. Bon. Body time, oui, connais aussi body time. C'est vraiment tout ce que je peux faire, j'espère que non. Hein. Incroyable, Vegeta n'arrive pas à le toucher. Bonne nuit, mon prince. What? Suke! Ah oui, les gens ils oublient assez facilement. Ils oublient assez facilement Dragon Ball. Et via là, tu as les 6 packs
J'en ai même 12 si tu veux, dans le dos et tout. Non, non, j'ai pas les 6 packs. Ça, il faut manger que des légumes, tu vois. Non. Pas le temps de manger que des légumes. Bah moi, je n'ai que 16 ans. Ah oui, mais là, 16 ans... Ah, tu parles violemment, là. Oh là là, calmez-vous. Oh là là, de quoi vous parlez? On parle de Dragon Ball parce que là, vous allez trop loin. Sachant en plus qu'il y aura la rediff et tout sur, sur YouTube. Sur YouTube, ils vont croire que je vous... C'est un coup à se faire... à se prendre un strike si vous parlez mal. Les gens vont croire que je vous incite à parler mal. Bah, parler mal, non. Parler des choses de la vie. Dans les dents. Ah, t'as oublié qu'il avait pas le combo. Le 1 pack. Ah, là, c'est chaud. Il fait méga en main, cet animal. Kamehameha! Pam 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 pam. Oula, on a pris cher. On a pris cher. C'est ça, Astro World, il gonfle les pecs là. Non, en fait ça va le faire, je vais enlever Ah la vache. Je vois les ambiances que ça doit être au taf. Ah, Krillin, il est terrible à jouer, il est pas... Il est fort, mais... Ses combos sont pas évidents. Here is a Oh, le Kenzan, c'est un truc de ouf, quand même. Il a pas le combo triangle avant. Elle m'a fait super mal. Elle m'a fait très très mal. Non. Alors, définir technique. Kenzan, tac. Là, on va mettre un petit pot. Tac, ça fait toujours plaisir. Et attends, est-ce que j'ai un truc d'XP? Voilà, on parle de Dragon Ball. Parce qu'on est là pour ça, évidemment. Parler de Dragon Ball et d'autres mangas aux alentours. Peuvent sembler pas mal du tout. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez vu là on est passé au manga d'été. Alors est-ce qu'il y a des mangas d'été qui vous semblaient très très intéressants? Alors par contre c'est vraiment con que Gohan s'est fait influencer par Ginyu Force quand il est devenu grand. J'oublierai jamais la danse de Great Saiyaman. Et non. Et non, mais Gohan, il a toujours été... il a été toujours... toujours aimé les costumes. Toujours aimé se déguiser. Comme son père. Kamehameha! Donc oui, j'aimerais savoir s'il y a des mangas d'été, pour l'instant, que j'ai vu, que vous trouvez intéressants pour comparer avec... ceux que moi, je trouve...
je trouve intéressant. Ah, c'est compliqué de jouer avec Krillin, heureusement que je le fais maintenant parce que c'est hyper compliqué, il a pas du tout les mêmes moves que les Saiyans. Le mec qui change de conversation, bien sûr. Bien sûr, il faut. Ah, Bunakata. Mon dieu. Récupère des points de vie. Oula, le rhythm kick. Il fait méga moins mal. Kenzan qui a ma mère dans les dents. Kenzan qui a fait beaucoup de bien ici. Alors, ben dans DBS et puis 3, on aura la Nif de Bulma et du coup la Russe. Oh là là, c'est abusé. Non, il faut pas qu'il fasse ça, hein, franchement. Ça aurait servi à quoi de voir. Ça aurait servi à quoi de voir Battle of God, sérieusement. Si c'est pour reprendre les mêmes phases de. D'histoire. Là, ils font du recyclage, du pognon gratuit. Alors, alors ouais, Black Butter Beach Air Gears High School of the Dead. Bon appétit, Strong World. Mais non, mais cet été, les mangas de cet été. Sorti cet été. Je crois pas qu'il y ait une nouvelle version de High School of the Dead, là. Il n'y a pas eu de nouvelle saison. Ouais, il est 19h chez nous. Non mais de je parle des nouvelles licences sorties, pas des trucs qu'on connaît. Hein, s'intéresse aussi aux nouvelles licences. Ils ont montré ça à la fin de DBS et puis 2 après pas plus d'infos. Oh là là. Mais il faut pas me spoiler. Vous êtes tous les deux à la réunion, Romain Fontaine, je sais. Pourquoi tu ne te fais pas une bannière sur ce site, bro? Beaucoup de streamers le font parce que je suis pas là pour ça. Je m'en fous complètement, totalement. On s'en fout. Non, je n'ai pas vu l'épisode 2, je veux pas le voir. Je veux pas le voir, je veux attendre. Ah, comment ça marche hein? Pour effacer les messages incongrus. T'as la musique de ouf derrière. Il faut que je retourne sur. Parce que là, en fait, je suis pas sur, sur Twitch, je suis sur. Oh, la musique. Ouais, non, je peux regarder. J'attends qu'il y ait les 5 premiers épisodes. Ah, ok, Ruga, toi aussi, t'as. Ok, d'accord. Ouh, réunionné, ça tue. C'est cool. En fait, j'attends qu'il y ait les 5 premiers épisodes pour pouvoir. Pour pouvoir. Oh, je peux même pas enlever ça. Je s'en fout complètement. On va laisser dans son délire le mec qui a cru que j'avais que ça à faire des bannières, tout de fou. On est là pour le fun, pour le plaisir. J'attends qu'il y ait les 5 épisodes en fait avant de tout regarder. Comme ça, j'aurai des choses à regarder quoi. Faire en sorte qu'on bannisse les liens là, puisque j'aime pas qu'on balance des liens comme ça. Alors, tac, moi aussi je suis à la réunion, cool, quel côté, le port, cool. Ça. Ok.
c'est cool. Ah, vous avez voyagé tous les deux, hein. Surtout Romain Fontaine. Bah non, ça reste dans l'océan Indien, donc t'es dans le bon secteur, on va dire. Allez, on se tape contre Ginyu version Goku. Tu n'as plus de ki, bats-toi avec le ki. Ah oui, bah oui, c'était parti à 2 ans. T'as pas eu le temps de bien travailler ton anglais. C'est normal. Mais bon. L'anglais, t'en fais quelques mois et puis c'est bon. Hein. Ça rentre assez facilement, moins compliqué que le français. Les règles grammaticales plutôt, sont assez simples. Ça me fait plaisir que vous me regardiez d'aussi loin, hein, quand même. Ah, tu comprends le malgache, mais tu sais pas le parler. Qu'est-ce que je sais dire en malgache? Je connais que des insultes en malgache. Donc non, je vais rien dire du tout. Je ne connais que les insultes et les ordres. Pam 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 pam. Petula, c'est un bon perso pour faire de la distance comme ça en fait. Au corps à corps, il est pas terrible. Ah ouais, après si ta famille aussi parle speak English comme diraient les connaisseurs. Mince, j'aurais pu avoir beaucoup plus de XP que ça. Tintin. Mais c'est déjà bien de le comprendre, le malgache. Moi, je comprends pas le malgache. Je sais juste que je connais juste quelques brides. Au milieu, je suis genre don't understand. Don't understand. Ah oui, mais c'est comme ça. Mais après, normalement, vu que tu dois parler au quotidien avec ta famille qui doit parler. À moitié, ça devrait passer normalement. Pam palam pam palam. Qu'est-ce que je voulais là? Ah, je veux tout pour. Si. J'enlève un truc. On va mettre à nous la puissance 3.
Après, ce qui est chaud, c'est quand il commence à parler super vite là, tu t'hallucines. Ah, c'est assez compliqué, ça te demande. Alors je mets deux Kenzan pour que ça fasse deux fois plus de dégâts en fait. Parce qu'avec un seul Kenzan, tu fais des dégâts normaux. Et puis avec un deuxième Kenzan, je crois que ça augmente de 25% le premier Kenzan. C'est un power up en fait. Fait un peu plus de dégâts. Et en plus, les batteurs ils parlent. Oh là là, ils parlent vite des fois, je comprends rien. Mais après, ça va du coup. Au lycée, je suis en avance sur ça, c'est cool. Bah ouais, ça c'est bien, il faut en profiter. Faut en profiter quand t'as des gens autour de toi qui parlent plusieurs langages, plusieurs langues plutôt. Faut en profiter pour apprendre. Toujours intéressant. Nidaro. Shaila et Chara. Karaya. Alors moi j'ai 26. Je suis un vieux de la vieille. Je suis un vieux. J'ai 26 ans. Bon, ça va être compliqué contre cet animal. Je déteste Frieza. Le mec, il a 5 membres. Je crois que j'en vais remettre direct les pots de je sais pas quoi là. Ah, j'ai pas mis libéré Je fais allumer. Ah ouais, j'ai pas de pauvre. Bah c'est pas grave, je vais aller changer mon équipement. Alors, et là on dirait que tout le monde n'a pas vu que ton statut fait juste parce qu'il n'y a pas tout le monde. Bah ouais, d'après ce que je vois, ouais, bon après si je pense. Il y en a ils ont eu parce que j'ai mis je vais faire en même temps j'ai mis le lien sur comment ça s'appelle, sur YouTube. En fait, sur YouTube, j'ai balancé comme si je faisais un live sur YouTube. Et il y a le lien pour venir sur le live Twitch. Après, peut-être que tout le monde n'a pas pu se faire ou ne veut pas se faire un compte Twitch. Moi, j'oblige personne hein, de faire un compte Twitch. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a pas tout le monde comme d'habitude. Je veux dire aussi, c'est un peu de ma faute. Mais bon, après, comme j'ai dit, la vérité, c'est que j'ai choisi ici de vous faire. J'ai décidé ici de faire des lives sur Twitch parce que Twitch est une meilleure plateforme pour ça et ça me permet d'être beaucoup plus réactif et j'ai moins de problèmes à balancer un live sur Twitch que sur YouTube et je voudrais vraiment utiliser ma chaîne YouTube pour mettre les rediff, les vidéos tests, les vidéos bah et toutes les autres vidéos quoi, mais les lives je vais les faire sur Twitch pour l'instant. Après, on va voir si YouTube Gaming sera de qualité. Parce que les serveurs que YouTube nous prête ne sont pas vraiment top top. Beaucoup de pertes, beaucoup parfois de crash et tout. Comme le dernier live, c'était un peu catastrophique. Parce que en plein live, les mecs ils te changent de serveur. Donc c'était chiant. Alors, je trouve bien ton. Je trouve bien ton Gloobok. Quelque part, j'ai pas compris.
Je t'ai pas suivi là, Ryuga. Pam pam pam. Oh là là, le mec. Il m'enchaîne vénère. Même pas il m'a respecté là. Pam pam pam. On va aller. On va libérer notre potentiel. Faire plus de dégâts. Ah, je pensais que j'allais pouvoir faire le combo en l'air. C'est un truc de ouf quand même. Oh le... Il s'est pris... Il s'est pris le Kenzan, il a souffert direct. Oh, il s'est pris ici. Alors, salut tout le monde, salut Yala, salut Samy et toi, mais j'ai enfin réussi à m'inscrire sur cette petite plateforme, désolé du retard, j'ai cru que je n'arriverais jamais. Ah, désolé, c'est de ma faute, je m'en excuse. Franchement, je m'en excuse. De vous faire changer de plateforme comme ça, j'avais pas prévu à la base de faire ça, mais bon. Twitch a tellement de bonne qualité ici que ça serait dommage de passer à côté, sachant que... j'ai cette chaîne Twitch depuis le début parce qu'à la base ce que je voulais faire c'est faire des lives, faire des streams, faire de l'entertainment, voilà, vous divertir en live et faire des vidéos test, tout ça, mais ça c'est plus des vidéos solo sur YouTube et donc franchement je suis je m'en excuse, voilà. Mais bienvenue à toi, Monsieur Vico. Ça fait plaisir de te voir ici sur ce live. Alors en France, vous avez de la chance parce que vous pouvez aller dans des centres de formation de foot. Mais chez vous aussi, à La Réunion, qu'est-ce que tu racontes, Dimitri Payet? Tu crois qu'il est venu comment ici? Une référence à la série DBZA, c'est Dragon Ball Z version déconnage. Ah ok, d'accord. Je connais pas du tout. Bam! Ah, activer technique spéciale Kenzan, voix de l'histoire. Alors qu'est-ce que t'as loupé? Rien de particulier, parce qu'au début, donc on a fait quelques réglages, puisqu'il y avait des problèmes... Des problèmes de connexion, c'est certains plutôt. Et ensuite, là, bon, on a commencé ici l'histoire par l'histoire de Krillin-sama. Comme tu peux voir, on a un nouveau layout. On peut voir sur le côté vos questions comme ça. Sur le côté comme ça, vous pouvez voir vos questions. Et vous pouvez voir un petit peu combien le temps de décalage qu'il y a un petit peu et suivre aussi mes réponses. Parce que je trouvais ça assez dommage quand même sur YouTube. Parce que j'avais pas le chat sur le côté. Et puis je parlais de choses et on comprenait rien. Donc là maintenant il y a tout qui est affiché sur le côté. Je trouve ça beaucoup plus esthétique. Et donc t'as rien loupé. J'ai juste commencé là avec Krillin. Ensuite on va commencer avec notre cher ami Piccolo-san. Qui va être très très long. Donc j'ai pris Krillin parce que c'était le personnage qui suivait après... Après Sangohan, voilà, tu n'as rien raté, tu n'as rien raté. Alors non, il n'y a pas, c'est qu'il est dans un club de recrutement, l'ont repéré et il est parti en France. Bah ouais, bah oui, mais je sais, mais voilà, il faut commencer déjà dans un club pour montrer, parce que c'est simple en fait, bah c'est simple, non, c'est pas si simple que ça. Mais quand tu joues dans un club, même partout dans le monde, et que tu commences à être surcoté, que tu fais les tournois qui font intervenir d'autres équipes en dehors de ton pays ou de ton île, tu te fais remarquer. Et à ce moment-là, c'est bon, c'est good. Et après, c'est vrai qu'on a plus de chance ici en France, parce qu'il y a plus de clubs déjà, et il y a plus de clubs, et puis au niveau du recrutement, c'est beaucoup plus... C'est pas beaucoup plus facile, mais il y a beaucoup plus d'opportunités par rapport à une personne qui habite sur une île. Voilà. Non, il n'y a pas. C'est qui est dans un club et...
C'est créé par la Team Four Star, c'est en anglais. Ok. Ton niveau d'énergie baisse de moitié, attention à la jauge d'énergie. Ah, ils m'ont enlevé des points de vie, des chacals. Allez. On va attendre là. Et là on balance ici un Dragon Rush. Truc de ouf, psychopathe. La machine dure. Donc je... Pour ceux qui verront la rediffusion de ce live, je m'en excuse encore une fois. Ça va se passer, tous les lives vont se passer sur Twitch. Donc si vous voulez suivre ça et interagir, il vous suffit juste de vous créer un compte et puis c'est direct. Oh mince, j'étais en train de lire ce que vous avez écrit et le mec m'a mis un coup de boule. Non, une patate. C'est un mec trop chaud. Frieza-sama. Frieza-sama. Oh le mec il fait que des max. Alors, salut Tyril. Yo, maintenant tu fais tes lives sur Twitch. Oui, je fais mes lives sur Twitch. C'est mieux. Et en faisant mes lives sur Twitch, en fait, ça me permet de faire des streams à l'infini. C'est-à-dire que voilà, ça m'ouvre beaucoup plus d'opportunités que sur YouTube. Non ! Que sur YouTube. Ah, il est mort. Il est pas mort. Il est pas mort, les gars. Non ! Mon dieu, ça va se jouer. Non ! C'est pas vrai ! Donc oui, maintenant, voilà, vous allez utiliser votre compte Twitch. Parce qu'à la base, je faisais mes streams sur Twitch. Mais après, je suis venu sur YouTube parce que je pensais que c'était... Ah, c'était plus... plus facile pour vous. Parce que ça se passait directement sur ma chaîne. Ça se passait directement sur ma chaîne, donc c'était plus pratique pour vous. Mais pour moi c'était pas top au niveau de l'interaction, tout ça. L'échange avec vous c'était pas assez... Oh le mec... tellement chaud. Alors Monsieur Vico, on a dû déjà te demander, mais tu as déjà regardé Dragon Ball Super 2, l'épisode 2. Non, je n'ai pas du tout regardé le deuxième épisode. Je vais attendre que... Ah il m'a chopé en même temps. Je vais attendre les 5 premiers épisodes en fait. Comme ça j'ai pu... tous les débuts, tout le début là, et puis yes, oui. Oh là, là. Voilà, Kenzan Furio dans les dents. Ok, je suis dans le raid, je suis dans la violence, on l'a eu. Alors, donc oui, j'attends d'avoir les 5 premiers épisodes, parce que j'ai, comme t'as pu voir sur mon Facebook, j'ai partagé le lien des 5 premiers épisodes. Alors je dis ça, peut-être que ce soir je vais craquer, je vais regarder, hein. J'en sais rien du tout, parce que je dis des choses et des fois l'envie est plus forte, avoir envie est plus forte que l'envie, comme la chanson, j'ai oublié les paroles de la chanson déjà. Avoir envie d'avoir envie, et donc voilà, c'est... Ce sera peut-être plus fort que ça, je vais peut-être regarder, hein. J'ai l'épisode là, il me regarde en ce moment là, je l'ai en face de moi, mais je l'ai pas encore mis ici à regarder, donc je vais attendre qu'il y ait un peu plus d'épisodes, sinon je craquerai, j'en sais rien, mais on verra. Et donc... Voilà. Épisode 1 de DBS, il te met dedans. Ouais, c'est clair le bah. Ouais, mais en fait, ils repartent comme si comme j'ai dit la semaine dernière, c'est comme s'ils repartaient ouais, ils te remettent dedans, c'est comme s'ils commençaient une nouvelle série en fait. On te remonte les protagonistes. Pam 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 pam. Frizano. Alors genre, attends, alors Poryuga, genre le combat Piccolo, Goku et Raditz, pensée de Raditz quand il voit Goku et Piccolo enlever leur poids. La nudité. Ah ok, c'est des trucs comme ça.
Rendre une couverture. Ah, j'irai regarder Ryuga, le DBZA là. J'irai regarder. Bonsoir Karedas, comment vas-tu? J'attends toujours tes vidéos. Je vois que tu joues, mais tu ne sors pas de vidéos. Hein? Sachant que je suis pas beaucoup de monde sur YouTube, j'aime bien avoir des vidéos des gens que je suis. Je te mets un peu de pression ici, mais voilà. C'est pour ton bien, on va dire ça comme ça. Ça fait du bien. Romain qui se sentait seul. Pam, 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 on a débloqué C18. Hideo Shenron! Ouais, ça va, cool. Ouais, je sais, c'est juste pour te taquiner un petit peu. Je sais que là, c'est le rush. C'est le rush. Truc de ouf, ce que Monsieur Satan offre à Goku. Putain, je voudrais bien être à sa place. Bah, Satan, le fait, c'est qu'il est multimilliardaire, donc il s'en fout, en fait. Ça ne l'embête pas de passer des sous à Goku. Et puis, en fait, ça permet, en fait, bon, ça... En fait, ça te permet, en fait, dans l'histoire ici, comme Satan il vient, il lui offre la mallette de pognon, ça permet à Goku de partir chez Kaio s'entraîner, quoi. C'est juste pour avoir un petit semblant d'histoire. Voilà. Krillin de Budokai 3. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Dun, dun. Dun, dun, dun. Alors je répète encore la même question, bah, pour ceux qui n'étaient pas là. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez des nouveaux graphismes de Dragon Ball Super. Est-ce que vous accrochez, vous aimez bien, vous trouvez ça cosy? Ou est-ce que vous êtes un peu nostalgique des dessins mal faits de l'époque qui avaient tant de puissance, des biceps bien ronds, bien puissants? Ou est-ce que voilà, vous appréciez tout de même quand même le nouveau style graphique de Dragon Ball Super? Tintin. Voilà. Est-ce que vous préférez les designs que vous voyez là en ce moment avec le Goku, le tout premier Goku, ou est-ce que les nouveaux designs vous intéressent, beaucoup plus modernes, beaucoup plus léchés? Voilà. Nanatsu. Piccolo est bien né d'un œuf, c'est un Yoshi. Ok, moderne, d'accord. Comme le dessin là, le dessin. Parce que le dessin derrière il est moderne. C'est du dessin qui a été fait récemment, ça. C'est récemment, 2006, hein. 2004 plutôt. Donc oui, je disais que je vais faire de plus en plus de live. Donc soyez branchés à ma chaîne Twitch, parce que je risque de balancer des lives comme ça à la frame. Comme ça, des lives voilà, parce que j'ai envie là j'ai fait quelques essais là pour ma prochaine émission qui s'appelle ceux qui ont pu voir sur Facebook, Retro Game H. Quand tu le dis très vite, ça fait rétro gamage. Donc, c'est une émission qui se consiste à terminer des jeux oldies rétro que je n'ai pas fait lors de mon enfance en live.
Et je pense que ça va être assez intéressant, ça va vous permettre de découvrir d'autres jeux, et moi aussi de découvrir d'autres jeux. En mode difficile bien sûr, parce qu'on est des oufs, en mode difficile. Et ça va nous permettre de découvrir et redécouvrir des jeux que vous avez découverts, que vous connaissez, que moi je connais aussi, hein, parce que je vais faire aussi des jeux que je connais. Mais ouais, la plupart du temps je vais tâcher de faire des jeux que je n'ai pas encore fait. Alors j'ai choisi déjà la console que j'allais faire, donc la GBA, parce que sur GBA il y a pas mal de jeux super super vénères que j'ai pas fait, donc que je trouvais intéressant à faire. Et là je compte les faire dans Retro Gamage. Il y aura 100 milli de combo qui se fera en live. C'est des combos, voilà, ce sera des jeux de baston comme Tekken. Là, j'attends Tekken 7 en fait. Tekken 7 et d'autres jeux de combat que je ferai. Bah, des vrais jeux de combat de versus en fait. Hein. Pas du Naruto. Naruto, c'est plus du fun. Comme Sensei, Dragon Ball, tout ça, c'est du fun. Ça rentrera pas dans 100 milli de combo. Il y aura des tournois comme ça pour désigner le meilleur 100 milliliter combo. Ça, c'est pour les gens qui viennent sur ma chaîne pour du Tekken et des jeux de combat. Il y a Esprit RPG qui sera, bah voilà, on jouera que à des jeux, des RPG comme ça, pareil, en live. Je ferai tout le jeu en live. Après, à la fin, quand j'aurai fini en fait le jeu, je ferai une vidéo test, des trucs comme ça. Ça va être assez cool. Je pense que c'est pas trop mal comme programme. Ça va nous permettre de... Quoi ? Ça va nous permettre... Quoi ? Je peux mettre qu'une... Permettre de voir pas mal de jeux, et puis ça va permettre à moi aussi de faire pas mal de choses différentes, pas rester coincé toujours sur les mêmes choses. Alors... perso, j'ai grandi avec les anciens dessins et je les préfère avant, mais aujourd'hui ils sont cool. Okay, ça ressemble aux cinématiques qu'on avait sur Budokai 3, donc ça me va, c'est cool. Et puis ça tient mieux la route aujourd'hui parce qu'ils disent que les Saiyan de sang pur ont les mêmes cheveux toute leur vie et avant la coupe, changer tout le temps de taille. C'est clair. Goku, il a la coupe de cheveux soleil. C'est pour ça, c'est un chou. De cheveux soleil. Tatatin. Mince, on prend le pot. Allez, c'est parti avec Piccolo, le grand Piccolo. Franchement, un mec d'une classe très très rare. Que beaucoup de gens peuvent envier, cette classe. Bah ouais, mais non, mais le truc là, monsieur Vico, c'est que j'étais pas là, mais j'étais occupé là. Et donc j'ai juste le temps de prendre l'épisode de le DL. Et après j'ai pas eu le temps de le regarder, j'ai commencé directement le live en fait. C'est pour ça que il faut pas m'en parler. Je ne l'ai pas vu. Mais la prochaine fois je serai à jour, comme ça on en parlera. Je sais très bien. Parce que si je fais un live Dragon Ball par semaine, c'est bien pour aussi en parler de l'épisode. Mais ah oui, sachez, attends, c'est quand que c'est férié? Sachez que demain, non pas demain, je crois que c'est mardi, c'est férié. Demain c'est sûr, je ferai un live en soirée. Demain soir je ferai un live en soirée. Lundi, mardi, il y aura live sur Dragon Ball. On va avancer sur Dragon Ball. Ouais, je l'ai même pas mis sur mon je l'ai même pas mis sur mon planning, mais bon. Mais je ferai un live sur Dragon Ball. Celui-là, Budokai 3 HD pour continuer. Et ouais, je pense que ça sera pas mal. Je pense que ce sera pas mal. Et lundi... lundi, il y a live. Mardi, il y aura live. En même temps que les vidéos que j'ai prévues. Et donc... alors... Mais Piccolo est le perso préféré d'Akira. Et puis, ouais, mais comme Sangoku était le héros, Akira a dû jouer un peu avec la puissance. Les Américains n'ont pas de pénis. Oh. Tout de suite. Et pomme des œufs par la bouche. Ouais, mardi, je fais un live sur Dragon Ball. Bah, sur la suite de ce live là, en fait. Pour avancer un petit peu. Au calme.
Parce qu'est-ce que je suis en train de chercher là? Alors le détecteur. Le détecteur. Je sais même pas où il est le détecteur. Mais je sais où sont les boules de cristal. Alors qu'est-ce que ça raconte là encore? Ils pondent des œufs par la bouche, des œufs par la bouche. Mais ils boivent que de l'eau, alors pourquoi? Mais non, ils boivent pas que de l'eau. Oh là là, le mec a un suivi, il plante. Si tu regardes quand ils sont sur Namek, ils font des plantations de super radis. De radis géants. Le live à quelle heure pour ah ouais pour Dragon Ball mardi, attendez. Mardi ça sera ça dépend. En fait ça dépend, je pourrais balancer. Parce que c'est férié donc je suis à la maison toute la journée donc on pourrait balancer ça assez tôt ou assez tard ou à 18h comme maintenant en fait je sais pas trop. Et lundi soir le live sera sur quel jeu du coup? Lundi soir, j'aimerais bien faire du oldies. J'aimerais faire du oldies. Du oldies, ça serait. Du oldies. Ça serait du oldies, allez. J'ai trop envie de jouer à Siphon Filter 1, donc je pense que je vais faire du Siphon 1. On va faire du Siphon 1. Un jeu sur lequel j'ai beaucoup, mais beaucoup d'anecdotes parce que. Bah en fait, ce jeu-là, je l'ai terminé en magasin. Il était en expo en magasin, j'ai joué une après-midi, je l'ai terminé, c'était tellement fou comme jeu. Voilà. Ryuga, il a pondu. Après DB3, tu vas faire sur quel DBZ? Après DB3, j'ai dit que j'allais changer de type de Dragon Ball, on va faire le Dragon Ball sur GBA. Héritier de Goku, je sais plus comment ça s'appelle. L'héritage de Goku, le premier, le RPG là, histoire de se poser un petit peu et arrêter un petit peu le jeu de combat, parce que là j'ai enchaîné Budokai 2, Budokai Tora et Tenkaichi 3, donc j'ai envie de changer un petit peu de style de jeu, donc voilà. De toute façon, je mets comme dit notre cher ami Tyriel, je mets tout sur mon Facebook et sur Twitter quasiment un jour avant pour bien vous montrer ce qui se passe, pour vous dire ce qui se passe sur le planning et sur le programme. Ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus. Là, dès ce soir. Je vais réfléchir. En fait, ça dépend de vos disponibilités à vous aussi. Hein. Si vous me dites que voilà, ça vous dérange pas de faire, par exemple, du Dragon Ball, parce que mardi, je pourrais faire une journée que de live. Hein. Mardi, sans problème, on peut se taper du 14h, 22h, quoi. Mais ça, c'est, ça dépend de vos disponibilités à vous. Et non, mais, mais Tyriel. On va sur ma page Facebook, pas sur mon Facebook. Oh là là. Salut Dylan, comment vas-tu? Romain, Dragon Ball Z, Budokai 2, Gamecube. Mais je l'ai déjà fait, mon ami. J'ai déjà fait, mon ami, sur ma chaîne. Tout est déjà sur ma chaîne. Je l'ai déjà fait. Romain, c'est sur la chaîne. Si je suis à... C'est pour ça que je suis à Budokai 3. Tout est fait. Tous les Dragon Ball de ce style sortis sur PS2 sont faits. Il manque Super Dragon Ball Z. Dragon Ball Saga, mais je l'ai pas. Et tout est fait. Donc voilà. Et en plus, en live et tout, avec des coups durs. Je me suis fait défoncer, mais c'est pas grave. Ça fait partie du game. Voilà, c'est partie du game. En plus, on était en extrême et tout. Ça rigolait pas. Ça rigolait pas d'un iota. Et voilà.
Faites pour savoir ce qu'il y a sur la chaîne, vous allez dessus. J'ai fait plein de playlists pour vous retrouver. Vous tapez sur Google en recherche. Vous tapez juste Dragon Ball et vous aurez tous les trucs que j'ai fait sur Dragon Ball. Sachant que moi je suis... On va pas dire que ma chaîne est spécialisée Dragon Ball, mais voilà quoi, un peu. Un peu spécialisé sur Dragon Ball. J'ai tout fait, mon ami Romain Fontaine. Tous les Dragon Ball sur PS2 sont faits, à part le Super Dragon Ball. Tout est fait. Gros entraînement contre Goku ici, on peut avoir pas mal d'XP. Alors, Eliana, ton équipe préférée en foot, c'est le Milan AC. Ah, t'aurais dû le voir sur PES quand même. Je suis un grand fan du Milan. Même sur le logo de mes épisodes de PES, c'est le Diabolita, Milano. Ah non, moi c'est le Milan. C'est le Milan ou rien. Grand fan du Milan. Kirisu, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Oh là là, le mec. Et mon ambiance mauvais là. Mais bon, c'est bien pour le championnat français. On aura ici des joueurs de qualité pour faire vivre le championnat. C'est cool. Non, non, il est prêté, les gars, calmez-vous, il est prêté. Alors, ah oui, tiens, c'est vrai, je me demande comment elle y allait en vrai, car pour l'instant, on peut que voir sa tête. Blablabla. Ah, c'est vrai, j'aurais bien aimé avoir la même tête que Kirisama, mais la nature ne m'a pas gâté. Donc, tu aimes Hakim Master? Oui, j'aime tous les joueurs du Milan AC. Et pour El Shaarawy, il est prêté avec option d'achat. Donc, voilà. On va pas être copains parce que moi c'est la Juve et Dortmund. Et j'aime bien aussi la Juve. Mais non. Moi c'est le Milan. La Juve ils sont chauds, mais le Milan est chaud aussi. Je vais faire quelques minutes d'entraînement ici contre Goku pour monter de level. Et je respecte la Juventus de Turin. Je respecte moins votre coach. Mais je respecte la Juventus de Turin. Dortmund aussi je respecte. Et j'aime bien Dortmund. Strongwall. Yarna. Il enchaîne pas mal. Bien. Bah, en fait le Barça, par exemple la Juve et Dortmund, c'est pas trop le club que j'aime bien, ce sont les joueurs, donc ça me dérange pas, tu vois. Ce sont les joueurs que j'aime bien comment ça joue, c'est pas le club. Mais le Milan c'est vraiment le club que j'aime bien en fait. J'aime bien le président, j'aime tout. J'aime les maillots, j'aime la mascotte, j'aime le stade, j'aime tout, même si le stade il va être changé là. Il va évoluer, ça c'est cool. Mais voilà, après comme par exemple comme tu dis, t'aimes bien le Barça, le Real. Moi le Barça et le Real j'aime bien, mais c'est les joueurs en fait. C'est pas le club, l'historique du club et tout, je n'ai rien à faire. Ce sont les joueurs que j'aime bien. Bah bien qu'il a. Donc pourquoi j'aime Kiwisama en fait? Parce que Kiwisama est trop stylé. Tu as vu sa tête? Tu vois, il est stylé Kiwi, il est stylé. T'écoutes ce qu'il dit dans Dragon Ball, c'est hallucinant le mec. Le mec il est trop chaud. On gagne plus assez d'XP là, je vais partir de là. Il est trop stylé. Quand il apprend que Vegeta est revenu. Que Vegeta est revenu de la Terre et tout, et qu'il repart sur Namek pour les boules des cristals. Tu vois, il s'enflamme, Kiwi s'enflamme. Quand il voit Vegeta, il lui parle mal et tout. Parce qu'il a trop de confiance. Il est tellement fort. Moi j'aime bien le personnage parce qu'il est...
Je sais pas, je le trouve charismatique. J'aime bien sa tête. Est-ce que tu... attends. Est-ce que sur la version PS3, tu peux obtenir les persos cachés de Budokai 3 collector sur PS... Oui, tu peux, oui. Tu les as. Pam. Pananana. Moi, c'est Paris et en Espagne, Barça, Italie, c'est Milan AC. Bah oui, le Milan, c'est un beau club. Est-ce que je connais Ice Club The Dead? Oui, je connais, mais j'ai jamais. Je regardais juste le premier épisode, mais j'ai pas regardé la suite. J'avais pas le time. Mais j'attends. Je sais pas combien de saisons il y a, mais voilà. Quand j'aurai le temps, je regarderai tout d'un coup en fait. Parce que au moment où j'ai commencé à regarder, en fait, c'était. Non, j'ai pas vu Dragon Ball Super, j'ai pas vu le deuxième épisode. On en parlera mardi. Du deuxième épisode, s'il vous plaît. On en parlera mardi, tous ensemble. Mais moi, je l'ai pas encore vu. On pourra faire le débrief mardi. Si ça vous plaît. Ah, mais Kiwi, c'est un thug, hein! Kiwi-sama, c'est un thug. C'est comme son pote dans. Dans Dragon Ball, la saga debout. Bui-Bui. Tu regardes Bui-Bui, c'est pareil, hein. Lui aussi, c'est un thug. Hein. Ça joue entre les deux, hein. Moi, je dis, ils sont frères et tout. Oh, il dit à Vegeta, s'il te plaît, me fais pas rire, j'ai les lèvres gercées, mais j'en pouvais plus, hein. J'en pouvais plus du tout, hein. Ah, il y a que 13 épisodes en français. Ah, en français. Ouais, non. En VostFR plutôt. Non, parce que moi, à l'époque où je regardais High School of the Dead, en fait, ça venait de commencer. Je regardais le premier épisode et puis j'ai mis de côté, parce que j'aime pas regarder, en fait. Je n'aime pas attendre une semaine, en fait. Ça me rend fou. Pour voir la suite. Donc voilà. Devil Sammy! Bui bui! Quoi, ils sont dans la salle de. Quoi, y a con et tout là. Double Samedi! Double Samedi. Mais qui parle en. Qui part en vacances. Double Dimanche! Ah, par contre, il m'a bien fatigué là. Ouh, il est balèze, hein. Ouais, on va mettre des techniques un peu schnapps. Si on peut lui balancer Makeko Senpo, ce serait pas mal. Parce qu'on aurait fait ici ce qu'on appelle la vraie histoire. Bah oui, le pauvre Bibui, on l'a jamais vu. Putain, j'espère qu'il sur... a pas pu sur carré. Oh, l'anima, il a pu sur carré. Oh là là, quel salaud. Quel salaud. J'aurais dû appuyer sur croix et suivre mon instinct. Allez, je suis pas le fou. C'est pas le fou. Attendez, je peux pas lire le chat là parce que là c'est la violence. Parce que j'ai envie de lui balancer le Makoto Senpo en fait. Oh non, il m'a eu. Bon, qu'est-ce que vous dites? Très évident, ouais, j'ai vu. Et franchement, c'est pas cool, les épisodes. Hein, comment Bibui pas de suite. Bibui, on l'a jamais vu dans un jeu DB. Dragon Ball. Bah oui, c'est con. Bah ouais, c'est dommage. Alors, Ray, sur BB1, Immobilier, Bref, Bloodmoon, c'est ma base. C'est clair. Comme Topher, c'est sa base. Mon équipe préférée, Dortmund. Avec le Milan. Double Sunday! Fasciné! Coco déchiné!
Satan Crush. Oh, j'adore Raditz, il a des techniques. Oh, c'est violent. C'est violent. Yarna par Mario. Attendez, je me concentre un peu sur le combat ici parce que Raditz a l'air super vénère. Alors, new vidéo de Thibaut, ok. En ce moment, je fais découvrir DBS à mes cousins de 10 ans. Et ils ont... ils ont fait une de ces telles quand Goku s'est transformé en Saiyajin, c'était énorme. Ah ouais, là, c'est... Ah, j'ai encore raté, c'est la première fois qu'on voit un Super Saiyan. C'est impressionnant, le Super Saiyan. Mais Dragon Ball, il faut le faire découvrir à tout le monde. Hein. C'est une institution, ça, Dragon Ball. Tu vis avec. C'est, ça fait partie de ta vie. Bakame. Ah mais non, il va pas faire le gamin comme ça. Oh non. Je rigole. Il va me faire la peau. Oh mais non, c'est n'importe quoi. Alors dis la buse. C'est moi qui ai abusé ici, il fallait que je fasse un step sur le côté, ça commence très très mal. Je vais me concentrer parce que là, j'ai moyen de le tuer, je fais vraiment n'importe quoi. C'est la musique de la mort de Goku là, c'est tellement violent. Oh la vache. Putain. Oh il est trop vénère là Raditz. Qu'est-ce qu'il arrive là? Il a pas mangé assez de radis Bon, Yana. J'ai même pas réussi à enlever le... Juste que j'aurais ça lui placer Oui, on dit là, hein, quand je l'ai vu pour la première fois, Super Saiyan, j'ai eu plus d'hommes. Ah, mais c'est violent, Super Saiyan. Le week-end de Raditz dans Dinover, c'est l'une des meilleures techniques du jeu. Perso, j'ai fait les trois quarts de l'histoire avec cette technique. Ah, c'est clair, c'est une technique de l'histoire. On va classer là, hein, les bases. Non, mais DBZ, c'est quelque chose qui est sur. Passer les trucs comme là. Oh ouh, ça enlevait juste une barre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais comment ça se fait que c'est aussi chaud? Attends, là, il y a un problème. Là. Putain, j'ai mis les musiques de DB. Yann! Je pensais que niveau 5, ça allait passer. Yes! Normalement, ça passe, hein. Juste que je fais n'importe quoi. Double Sunday. Moi la technique que j'ai utilisée le plus dans le Nover, c'est l'attaque laiteuse. Pam 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 pam. Oh. Ah, il y avait plus de barres d'énergie que moi. Qui est? C'est une insulte d'idiot. Oh là là, c'est chaud, le mec il lit dans mes pensées. Pam 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 pam. Ah ça c'est beau. Même si j'ai pas beaucoup d'énergie.
Non mais non, 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 non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est good. Alors, je l'ai frappé là. Radis est chaud, c'est clair. Vous regardez Naruto aussi ou pas? Moi j'ai arrêté Naruto depuis très très longtemps. Défonce-toi, fusion. Oh Naruto, ça m'a dépassé. 7, c'est cool, ça me fait 10 ici et 3 là. 4 ici, plutôt 5 comme ça me fait une barre de vie en plus. Et c'est cool. Bon appétit Kirisu. Kirisu. Champs. Les chocs des deux vagues déferlantes, c'est tellement tellement ouf, je comprends pas pourquoi ils le mettent plus dans les jeux. Dernier jeu, bah je sais pas, c'est la flemme, ils veulent pas faire des grosses animations de ouf. Alors qu'ils faisaient déjà ça sur Super NES et tout, c'est trop taré. Le fils d'Akira s'appelle Sasuke. Je savais pas. Je savais que son fils lui mettait la pression pour qu'il reprenne Dragon Ball, mais je savais pas que son fils s'appelait Sasuke. Après, c'est un nom japonais, hein. c'est pas quelque chose d'hallucinant non plus et d'ahurissant, sachant que ça se passe au Japon. On va continuer. Je suis équipé de quoi là? Peut-être le problème ici c'est de la puissance. Donc ça, on va garder ça pour l'instant pour faire un max XP. Et on pourra utiliser le sync avec Nail quand on sera sur la mec. Je pars samedi en vacances, mais je vais quand même continuer à regarder tes lives fidèles au poste, mort de rire, je te ferai connaître auprès de mes potes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bonnes vacances à toi aussi si tu pars samedi. Et d'ici là, on pourra redialoguer. On pourra redialoguer parce que je compte faire un live comme j'ai dit lundi. Allez, soyons fous, peut-être assurer un live tous les soirs. Jusqu'à... On fait une semaine que de live, on se bute pour que ma chaîne Twitch soit cool. Alors je sais pas vous, mais depuis l'épisode 1 de DBS, j'écoute le générique en entier en boucle. Il ne sera jamais aussi culte que Shara et Chara, mais il déchire tout de même. Ouais, le générique, je suis pas fan moi, le générique. Je préfère le ending. Le ending il est bien, moi j'aime bien. Après je l'ai pas écouté assez de fois le générique pour voir... Toute la puissance et toute l'écriture derrière, le rythme, tout ça, la synchronisation avec les images, ce que ça raconte, si c'est émouvant ou pas, donc j'ai dû le voir 2 ou 3 fois, j'ai pas vu assez de fois. Ouais, Vico, Monsieur Vico sera en Bretagne, c'est ça. Ce week-end, tu seras ici. Chez nous, chez les Bretons. Tu vas voir beaucoup de gens. Beaucoup de Bretons, beaucoup de gens venus de partout. Oh là là, il est lui dans mes pensées. Oh
On veille ici. Ah, Muse! Muse. Muse. Bien sûr, Muse. J'aime bien leurs instrus. L'instru de leur musique, Muse, c'est des shows. Je penserai aussi à toi, pas de soucis. Là, je suis en train de galérer contre Guan Petit quand même. Hein. La vache. Je penserai aussi à toi, pas de soucis. Si t'as des photos assez sympathiques des lieux, n'hésite pas à me les faire partager sur mon Facebook. Ça me fait grand plaisir de les regarder. Ouais, j'ai des amis qui vont là-bas, elles seront là-bas. Mince, je suis mort, je suis KO. J'ai des amis qui seront là-bas. Alors, Tyril. Ok, bah ouais, bonne soirée, Tyril. Je déshonore Kiwi. Ah la vache. Je déshonore Kiwi. Oh là là, c'est méchant. C'est méchant. J'ai pas été assez fourbe. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il me spam de la même technique, il est taré. Ça fait bizarre de se dire qu'on s'entend aussi bien avec quelqu'un de 26 ans, n'empêche, DBZ ça rapproche les gens. Ouais, non, mais après, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui se prend la tête non plus, hein. T'as 26 ans, 4 ans, 6 ans, 50 ans, 40 ans, on s'en fout. On est là pour le jeu vidéo et pour partager. C'est le plus important. C'est le plus important. Mais, ah, c'est pas le fou. Alors, tu dis, sinon, toi, il y a là, tu fais quoi dans la vie? Ah, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, mais il y a des jeux vidéo dedans. Ah mais non, mais les gars, là vous m'en pensez mal, là je me fais défoncer par le Nabo. Docteur Slug, ou tu veux dire... Slug. Par contre, ça se fait qu'il me défonce là, c'est pas possible. Il faut garder un petit peu de mystère dans tout ça. Quand même, je vous ai déjà dévoilé pas mal de choses. Gardez quand même une petite part de mystère. Romain Fontaine, calme-toi. Nous voulons pas avoir d'ennui ici. Et on veut pas avoir envie. Non, je ne vends pas de jeux vidéo. Mais j'aimerais bien, ce serait sympa, mais... Yanna. Mais là je joue super mal. Slug. L'empereur Slug. Celui qui a demandé l'immortalité à Shenron. Et là, manque de concentration, de lucidité totale. On va se mettre en position de combat parce que là j'étais affalé sur mon fauteuil. Non, il faut garder un petit peu de mystère. Calme-toi, monsieur Vico. De mystère dans tout ça. Voilà, épicier pour sel et kiwi. Je vends des fruits et légumes. Du Apple. C'est pour ça que c'est Apple, il m'énerve dans Xenoverse.
Oh là là. Je prends. Ce que je peux vous dire, c'est ce que c'est en rapport avec l'ordinateur. Voilà, donc calmez-vous, oh. Calmez-vous. C'est... Faut que je garde quand même un petit peu de mystère dans ma life. Quand même. Ah non, monsieur Vico, la musique de AC, c'est du personnel. C'est du personnel, c'était pour moi. C'était pour moi, tout simplement. Makenko Senpo, le pauvre Gohan qui se prend Makenko Senpo dans les dents. Oh là là, mais hey, comment ça se fait que je prends la max comme ça contre Gohan? C'est un truc de ouf, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre à ce niveau-là. Gohan, il fait trop mal alors que c'est moi qui suis censé l'entraîner hein, quand même. Hein. Vous voyez un petit peu le délire? Y a-t-il moyen qu'on puisse écouter? Ça intéresse? Oui, 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 bien sûr, pas de soucis. Pas de soucis. Après, c'est de la musique, hein, c'est pas de la chanson. Il n'y a pas de parole. Hein. La musique classique. Semble de violoncelle, de contrebasse et autre chose. Pour mettre un petit peu... Parce qu'en fait, quand j'ai vu le trailer d'Assassin's Creed, par exemple Black Flag, j'ai été inspiré, en fait. J'ai voulu faire une composition qui me faisait penser à... Assassin's Creed Black Flag, un peu piraterie, tout ça. Et donc j'ai fait ma composition. Pareil pour... Ah ouais, je me suis fait dégommer là. Pareil pour Unity. Quand j'ai vu le trailer d'Unity, j'ai pensé à toute cette époque qui est la... Attends, c'est 18ème. 18ème, ouais. Ouais, la Renaissance, tout ça. J'étais inspiré. Et j'ai voulu retranscrire ça en musique, voilà, tout simplement. Voilà, parfois, des fois, vous voyez des trucs et vous dites, ouais, ce serait pas mal comme ça. En espérant que j'aurai pas de problème pour la rediff sur YouTube avec les musiques chantées. Parce que la dernière fois, on avait eu des soucis. On a eu des soucis de droit d'auteur. Rien de dramatique. Hein. La vidéo n'était pas bloquée dans les pays. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Et bon, il faut éviter de se prendre des strikes. Alors ouais, c'est ta patte, ta création, ton ressenti, ta vision des choses, et c'est super intéressant. Ouais, c'est... Parfois, il faut laisser son côté créatif prendre le pas et créer des choses assez folles. Mais si, Romain Fontaine, mais si, il y aura droit à Koh-Lanta. Mais après, ici, sur Twitch aussi, c'est des gamers, tu vois. C'est des gamers, ils viennent pour regarder le game, pour voir de la skill. Mais après, il y a toujours des fous qui trollent, hein. Partout où tu vas, il y aura des oufs. Donc, t'inquiète pas, ça arrivera. Le Koh-Lanta est toujours présent ici. Il demande juste... Ça demande juste que quelqu'un vienne faire le fou. Putain, Piccolo contre Piccolo, grande puissance. Ça demande juste que quelqu'un vienne faire le fou et puis voilà. Ah,
truc incroyable. Yo, on se bat contre... Comme quand il s'entraîne Piccolo tout seul. Si si, il y aura toujours Koh-Lanta, j'ai toujours là sous la main. C'est la pâte. Est-ce que tu as débloqué Freezer 100%? Je crois, oui. Non, la Gohan Super Saiyajin 2, déconne pas. Monsieur Nico, trop précipité, Gohan. Oui, je crois. De toute façon, j'ai acheté pas mal de capsules, donc sachant que j'ai déjà les cartes membres or, je suis super équipé pour la suite. Alors moi, je préfère le son qu'il y a quand Trunks se transforme devant Freezer. Nandatour Super Saiyajin. Attendez, je suis équipé de quoi là? À nous la puissance 4, j'ai pas un autre plus puissant. Ah mais c'est le 4 que j'ai mis, ok. Ok. Ah c'est pour ça. Bah non, bah c'est le 4. Voilà, la musique de Trunks qui vient d'enchaîner. Bah ouais, mais c'est normal. Mais qu'est-ce que c'est conneries? Ah, le Mac, quoi ça. Oh, il peut faire double dégâts, tiens. Boum, boum. La compile de Dragon Ball. Bah, j'ai... En fait, j'ai le CD, l'album. L'OST, l'album 4... 6 CD. Que j'avais acheté à l'époque à la Sonothèque, tu vois, quand j'étais plus jeune. Je me suis dit que c'est un truc comme ça, il faut l'avoir, hein. Mais pour l'avoir maintenant, ça va être chaud parce qu'il coûte super cher et je sais même pas s'il est probable. Après, je sais qu'ils sont en téléchargement, tu peux l'acheter en téléchargement ou l'avoir illégalement en téléchargement. Mais donc voilà. Pam 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 pam. Moi je l'ai en... J'ai l'album CD et là je l'ai en... Sur mon ordi. En format MP3. Via l'extraction de... Du lecteur Windows. Pam pam. Ah mais quand t'as l'OST de Dragon Ball, là t'es bien quoi. T'es bien, t'es... T'as besoin de rien quoi. Tu te la balances comme ça, t'es au top. Eliala, do you speak English very good? I speak English and Spanish sometimes. Wow. En fait, je sais pas si je parle bien anglais, mais je parle anglais. Bah, je suis obligé de toute façon, j'ai pas le choix, parler anglais, espagnol. Comprendre le japonais. Comprendre le japonais et... Prends le japonais et bientôt apprendre le chinois. Je pense qu'il y a moyen pour les installer dans mon ordi, mais j'y arrive pas. Ouais, il faut un logiciel d'extraction en fait spécial. J'ai regardé la dernière fois quand tu m'as demandé. Il faut un logiciel d'extraction spécial, mais ils ont pas donné le nom sur le forum où j'étais parti voir. Pour pouvoir enlever, pour récupérer les musiques d'un jeu. Après, si t'es d'accord, moi je peux te passer...
peux te passer un lien où tu pourras les DL comme ça gratuitement. Hein, c'est gratuit parce que les musiques ne sont pas. Ces musiques-là ne sont pas. Il n'y a aucun droit d'auteur sur ces musiques-là de Dragon Ball Battle 22 en fait. N'ont pas posé de droit d'auteur donc elles sont téléchargeables gratuitement. Donc je pourrais te passer un lien pour que tu les DL pour que t'en profites aussi. Parce que je suis comme ça. Je passerai un message privé sur Facebook au calme. On a perdu Romain Fontaine, il parle anglais. Il s'est habitué au standard de Twitch. C'est-à-dire parler l'anglais. Oh mon dieu. Soma Bakana. La vache. Soma Tituka. C'est ça qu'il faut, hein, Romain. Il faut parler plusieurs langues. C'est toujours intéressant. On sait jamais où tu vas te retrouver plus tard dans le monde. Donc, il faut avoir. Surtout l'anglais. L'anglais, ça va te permettre de. Puisque beaucoup de gens sous-estiment la puissance de l'anglais. Mais l'anglais, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Qui va te permettre de dialoguer avec pas mal de gens. Et ça, c'est cool. Le comprendre et le parler, c'est bien. Même si tu le parles avec un accent français, c'est pas un problème. Le plus important, c'est de savoir le parler. Ok, d'accord, monsieur Vico. On va faire ça comme ça. Je vais te passer le lien. Je vais passer un lien et puis tu vas pouvoir te faire plaisir comme ça. T'auras en gros pas mal d'OST parce que c'est un site en fait qui. Où je retrouve mais tous les OST des jeux qui n'ont pas des musiques licenciées en fait. Qui sont pas droits d'auteur. Tiens, le Piccolo il me rapporte pas beaucoup de d'XP. On va aller se battre contre Gohan parce que là avec Piccolo il y a 4 chapitres à faire quand même. Ah t'es combien de bac il y a là? Oh là là les enfants, c'est fini le bac. J'ai 26 ans, vous imaginez à quel âge j'ai passé? Ça remonte à longtemps hein. Ça remonte à longtemps. Je peux dire que mon point fort c'était les mathématiques. Bah c'est toujours les mathématiques. J'ai tout misé sur les mathématiques. Ouais c'était terminé, on en parlait plus. Après, le reste c'était que du plaisir. Le plus important c'est de l'avoir hein. Les notes finales non, en fait le plus important c'est d'avoir parce que les notes au final les gens ils font pas si attention que ça. Alors moi je l'ai eu le résultat il y a pas longtemps, j'ai eu 10,85. C'est bien, c'est bien. Oh là là, pourquoi je serais bon élève? Non, eh, pour vous dire la vérité, moi, toute ma scolarité, j'ai fait que des conneries. Hein. Que des conneries, non, je fais pas des conneries, mais j'étais turbulent en cours. C'est pas que j'étais turbulent, mais j'étais, comment dire, je faisais beaucoup de... voilà, j'ambiançais, on va dire, toute la classe. Et le pire, c'est que... quand je faisais ça, c'est que c'était d'autres gens qui se faisaient attraper à ma place, en fait. D'autres gens qui se faisaient attraper à ma place.
Et quand je me faisais attraper, le prof avait l'habitude de me demander de répéter ce qu'il venait de dire, et comme j'ai la faculté, en fait je peux comme là je fais, je peux jouer, parler en même temps et répondre à votre question en fait. En fait, je peux parler, écouter ce que dit une personne à côté. En fait, j'ai pas de soucis de concentration à ce niveau-là. Et donc, je répondais facilement à ces questions parce que je savais de quoi ils parlaient. Et donc, les profs, ils étaient mal. Ils se disaient, oh, en fait, tu suis. Ben, je dis, bah ouais, je suis. Calmez-vous, monsieur. Calmons-nous. Donc voilà, non, j'étais quelqu'un de. Je faisais beaucoup de. De blagues et tout, j'ambiançais la classe et en même temps j'étais délégué donc j'avais pris le rôle de délégué pour pouvoir faire ce que je voulais en fait dans toute ma scolarité au collège et au lycée. La fusion de ciel et de kiwi kill. Kill. Oh la vache. Mais non, ciel il a pas besoin de fusionner. Parce que Kiwi-sama c'est un sbire de ciel. Si vous avez pas compris. Dans ma logique. Avec Bui-Bui. Ils sont tous des sbires de ciel. Parce qu'au final, ciel reste le mec le plus parfait. Ouais, c'est chelou de ciel perdre en puissance. Ce que vous faites et je regarde pas ce que je fais avec ma manette, c'est fou. Alors petite histoire vraie, j'étais en espagnol et il y a une stagiaire qui devait venir pas. Mais meurs, voilà. Les pas, on était en 4ème, on était 2 et le prof m'a dit que t'es trop petit, j'ai. Toi, t'es un grand malade, toi. Tu respectes rien, Romain Fontaine. C'est pas bien, hein. T'imagines Cell faire tout d'un coup. Oh, Freezer, ça va. Non. C'est plutôt Freezer qui fera. Qui serait surpris. Ah, mais ça serait ouf, hein. Cell qui dit Freezer, ça va. Non, parce que Cell est 10 000 fois plus fort que. Le Freezer. Bah oui, c'est évident. Sachant que quand il revient contre Sangwan, la deuxième fois, il est en Super Saiyajin 2, celle. Hein. Donc rendez-vous compte de la puissance du machin. Santé de quoi ? Un thug. Là t'as abusé, la puissance que tu montes, c'est la puissance de qui ça? Alors Neoxys, Cell, quand il revient de sa mort, là, il est en Super Saiyan 2. Donc tu prends le Cell qui est revenu, quand il a les éclairs là.
Donc, qui d'ailleurs est plus puissant là que... Vous savez que Cell est plus fort que Dabla, c'est un truc de ouf. Hein. Cell est plus fort que Dabla normalement. Hein. Le Cell qui revient là. De toute façon, Cell c'est le plus fort, c'est plus n'importe quoi. Là, je me fais... Heureux Dylan. Oh, le mec m'a fait un salto arrière et m'a mis un coup de pied. Je sais pas si il dit ce qu'il m'a fait. Bah rien d'extraordinaire, j'ai pas beaucoup avancé ici avec Piccolo parce que je me fais défoncer par Sangwan. Oh, il m'envoie ma Crimson Pole, salaud. Par Sangwan qui a beaucoup plus de force physique que moi. Ça fait méga moins mal. Yarna! Oh, Kirisu. Wow. Un duel de... De toute façon, les puissants, ça veut rien dire dans Dragon Ball. Ça veut rien dire. Ça veut quasiment rien dire. On sait qu'ils sont puissants, c'est tout. Freeza, Sama. De toute façon, le plus puissant des plus puissants dans tout Dragon Ball, si vous prenez tout en compte, c'est Broly. Parce que Broly, en fait, son truc, c'est que... sa puissance augmente continuellement de seconde en seconde. C'est-à-dire qu'il a une puissance quasi illimitée. Voilà. Normalement, c'est le mec, tu peux rien faire contre lui. Voilà, on va se battre contre... notre ami Sangwan. On va quand même prendre ici un pot. Voilà. Comme ça, on est bien. C'est 18 et c'est 17. Ouais, ils sont plus puissants que Freezer. Ils sont plus puissants et ils ont une énergie. Énergie infinito. Infinito! Power, c'est ça la différence. Ils ont pas besoin de se recharger, donc ils ont quand même un sacré avantage comparé au aux créatures du humanoïde, on va dire ça comme ça. Ah, désolé. J'ai été ennuyé comme un ouf. Ah ouais, mais non, mais il fait mal du Gohan. Oh non, super. Ah, c'est entre Beerus et Whis, c'est Whis le plus puissant. Hein. C'est clair et net, hein, il l'a avoué lui-même, donc... Ouais,
Là, je me suis fait avoir. Oh mais oh, il me prend la tête ce petit gamin là. Il est trop vif. Oui il est plus puissant que Broly. On sait tous c'est Kiwisama. Bah vu que Broly est mort oui. Mais si par exemple si Broly était toujours vivant et faisait partie de l'histoire principale, bah de toute façon il n'y aurait plus de Son Goku, il n'y aurait plus de Terre, il n'y aurait plus d'histoire. Moi c'est clair tu vois. Tout serait terminé. Parce que Broly il a la faculté en fait, comme il est le super il est le super Saiyan légendaire, en fait son énergie augmente sur la mesure que le combat avance en fait. Et ça augmente pas de 10 ou de 15 en fait, ça double, ça triple, c'est assez violent. Hein. C'est assez violent, les compétences de Broly sont assez violentes. Et sachant qu'il a une bulle protectrice et tout, ça fait un mec trop monstrueux en fait. Non, stoppez. S'il te plaît, Gohan. Donc, je vais te la jouer comme ça. Voilà, on va tenter avec le carré. Non, mais parce que Broly ne fait pas partie de l'histoire principale de Dragon Ball. Ce sont des OAV, donc c'est des trucs voilà, fait pour le fun, tu vois. Bah il est mort parce que on devait le tuer, c'est tout. Parce que la façon dont il meurt, tous les héros donnent leur énergie à Sangoku, il lui donne un coup de poing dans le ventre et il lui détruit sa forme légendaire. Et puis là il est mort Broly, mais c'est... Tout le monde sait que c'est des conneries. Tout le monde, quelqu'un de lucide sait que c'est pas possible. Ah non, quand il revient, ça c'est plus Broly, ça c'est un mec pété ça. Attends. Déjà il a les cheveux dorés et tout, c'est pas Broly. C'est un clown. Quand il revient contre Gohan adulte, excuse-moi mais sa coiffure est dégueulasse. Il a pas les cheveux dorés et il ressemble pas du tout à Broly. On dirait un mec qui fait un cosplay. Après les gens ils ont fait des théories de ouf, ouais il a perdu la moitié de sa puissance, blablabli, blablabla, blablabla, rien du tout, je le considère pas cet épisode comme comme l'épisode Bio Broly, dégueulasse aussi, épisode qui sert à rien. Puis le bat c'est pareil, ils le battent trop facilement alors que pendant tout le combat ils sont défoncés, il faut arrêter. Oui, il revient trois fois, mais bon, c'est pas... Les gens ils vont se rappeler que de le premier Broly, le super guerrier légendaire, parce que c'est le meilleur. Parce que les autres, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que... Voilà, il se bat, il défonce tout le monde, mais au final, il se prend un Kamehameha père-fils et il meurt. Il meurt envoyé sur la lune, quoi. Faut arrêter. Sur le soleil, il faut arrêter, quoi. C'est pas poilant. Pam 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 pam. Thank you.
Zok. Oh le gamin. Il a décidé d'en finir tout de suite. Ça nous fait pas mal d'XP, c'est pas mal. Ça nous permet d'évoluer très rapidement. Parce que comme l'histoire de notre cher ami Piccolo est assez longue. Alors, j'ai jamais trop aimé les films des BZ, mis à part Bataille des Dieux, Bardock et l'histoire de Trunks. Sinon, je trouve les films de DBS un peu trop ressemblants les uns les autres. Ah ouais, c'est clair, bah oui, c'est à chaque fois la même chose. Mais Bojack, il est stylé. Bojack, il est stylé. Hein. Parce qu'il y a des fous dans Bojack. Hein. Celui de Bojack, celui de Ah, ils sont... Non, tous les OAV sont bien. Franchement, il faut pas déconner. Ils apportent quand même... Ils apportent quand même quelque chose. Ça apporte des nouveaux méchants, même si la trame est à chaque fois la même, mais... Ça apporte quand même des nouveaux méchants assez stylés, quand même. Par exemple, Bojack, Super C13, ils sont stylés, quoi. Mecha Kula, avec ses potes, là... Souzer, j'adore Souzer. Aussi, c'est un mec, je kiffe, tu vois. Souzer, c'est un sbire, mais. Avec sa lame de Souzer, c'est la classe, quoi. Yarn, est-ce qu'il y aura une rediffusion? Bien sûr, il y aura la rediffusion sur YouTube. Comme d'habitude. Pas de soucis à ce niveau-là. J'ai pas réussi ici à m'avancer. Bojack en transformé avec la C-clair. Bojack il est stylé. Hein. Et c'est ça que j'attends en fait dans Dragon Ball Super. Pourquoi ils auraient fini de faire toute la phase des films de Battle of God et de la résurrection de Freezer. Bah, c'est ça que je veux voir dans les autres univers, c'est-à-dire faire revenir des fous quoi, comme Bojack. Bojack, bah Kula, mais il n'y aura pas de Kula, mais d'autres. Oh, mais non, le mec il a lu dans mes pensées, c'est impossible. Hein. On dirait qu'il fait voir une voiture. Pour l'instant, il est en train de faire la fête. Petit nappa de no. Alors le plus puissant c'est Super Boo. Non, c'est pas Super Boo, c'est le petit Boo. Je suis désolé, mais c'est la réalité des choses. Et après Super Boo il est stylé, franchement. Il est stylé. Oh là 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 là. On a eu chaud, très chaud. Enfoiré, il a dit. Un Super Boo, il est stylé parce qu'il parle et puis il a un cerveau, tu vois. Le petit Boo, il a pas de cerveau, il tape ses pecs et il tue les gens, il détruit des planètes gratuitement. Alors que le Super Boo, lui, tu vois, franchement, lui, il est tranquille, hein. Il veut se taper, tranquille, tu vois. Tu vois quand... Bon il a tué tout le monde sur la Terre quasiment, après il vient au palais d'Ende et puis... Donc non en fait il tue les gens au palais de Dende. C'est trop stylé par contre ça.
Il utilise tous ses missiles là pour tuer tout le monde sur Terre. Quand il les compte tous, quand il marche autour, il les compte tous et les tue tous. C'est assez stylé, je trouve. On voit toutes ces boules de feu. Adieu, Nappa. Question de Dylan. Qui va à la mer cet été? Dylan, t'es de Paris, c'est ça? C'est chaud, ça, Paris, quand même. Paris, ouais, Paris, ouais, par Paris plage. Yarro! Yarro! Rufy! Est-ce que ça ne serait pas la voix de Frankie? Frankie! Rufy! La mer Nayo. Pam, 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 pam. Mon cyborg préféré, il y en a tellement, il y a Frankie, C8, C9 je crois, qui appartient à l'armée du ruban rouge là, le Terminator, c'est qui a la même gueule que Terminator, après bon les classiques, C16, j'aime bien C16, il est stylé. Sa tenue est bien et il est calme. Après, bon, j'aime bien C17 et C18. Hein. C17, j'aime bien l'arrogance de C17 et C18. Après, ouais, y a pas à chier, c'est celle. Hein. La base, c'est celle. Allez, on arrive sur Namek, on avance bien. On avance bien, je pense qu'on pourra finir aujourd'hui. Histoire avec notre cher ami Namek. ベジータたちの度重なる妨害に怒り心頭のフリーザ。フリーザはついに親衛隊である義乳特戦隊を呼び寄せたのであった。兄弟の力をもった義乳特戦隊。そしてフリーザに果たしてご飯たちは勝利することができるのか。そして悟空は間に合うのか。 Pardon, je baille. Peu de fatigue, tout de même. Alors, Romain Fontaine, Neliala, which is going to gain the golden ball, you say? Pourquoi? Tu veux que je dise quoi? Alors C17, je peux pas trop blairer car dans tous les jeux il est trop chiant, t'en chies à bout. Enfin, bah oui mais c'est des styles, il est fort dans les jeux, c'est un truc de ouf hein C17. Il est c'est un personnage qui est bon à contrôler quoi. Il est super bon à contrôler et moi j'aime bien ça. Pour le ballon d'or, je sais pas, tu sais que je dis quoi, c'est, ça va être notre petite puce là de Messi là, comme d'hab. C'est Messi qui va le gagner comme d'hab. Bah comme d'hab, l'année dernière c'était Cristiano, mais là... Alors comment c'est parti cette Messi? Messi. Ces 13 ont fusionné à une classe de ouf avec son corps bleu et ses cheveux rouges. Et mais moi dans le film, franchement, je pense qu'il fait partie d'un de mes OAV préférés contre ces 13. Parce qu'il dit des trucs de ouf. Ouais, il fait « Tu penses pouvoir arrêter ma bombe spéciale double S à main nue? Tu sais que cette bombe est capable de détruire la moitié de cette planète. » Ça va toujours buter, tu vois. Et
Et aussi dans Bojack, il y a toujours, toujours des oufs. Par exemple, dans Bojack, il y a son sbire, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Le petit, là, tout bleu. Qui dit, ouais, seul maître Bojack est digne de régner sur cette planète. Sa psychopathe. Il y a des phases comme ça que j'adore en fait. Alors que c'est des mecs qu'on voit juste comme ça, mais moi j'aime bien. Faut triper. Ils ont des dialogues doux, des dialogues impactants. Tu penses pouvoir arrêter ma bombe spéciale double S à main nue? Sache que cette bombe est capable de détruire la moitié de cette planète. Alors, c'est vrai en plus, tac, tu dis qu'il va gagner, hein, il est largement plus fort, c'est mon avis préféré. Allez, bonne soirée Romain, bonne nuit, je sais qu'il est 23h chez toi. Bonne nuit, repose-toi bien et peut-être à mardi ou lundi si tu veux venir voir du Siphon Filter sur ma chaîne. Dans ma nouvelle émission, où je fais de la pub pour mon émission sur Twitch, bien sûr. Mon émission qui s'appelle Retro Game H. On va commencer avec le premier épisode consacré à la série des Siphon Filter. On va faire tout le jeu en let's play de A à Z. On va le terminer. Et voilà. Tout simplement pour revivre un petit peu. Les jeux du passé, ça fait toujours plaisir à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup... J'ai oublié le jeu, donc ça me fera vraiment plaisir. J'ai oublié, façon de parler. Je sais que le taser, c'est l'arme des grands, des géants. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Pour quelle émission H no Desetsu ou... bordel, c'est quoi le nom déjà? Retro Game H. Bah, de toute façon, je mettrai sur mon YouTube, sur mon Facebook plutôt. Sur FB, vous aurez... Vous aurez. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Et sur Twitter aussi, toutes les informations nécessaires sur les prochains lives. Même s'ils ne sont pas marqués sur le planning de la semaine, je vous informerai bien évidemment de ce qui se passera. Je m'y engage. Pam 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 pam. Ah non non Vico, non il faut pas qu'il fasse des trucs comme ça hein. Non. Déjà là j'ai dit la semaine dernière que ça allait m'énerver s'il reprenait tout, toute la trame qu'on a vu déjà dans Battle of God et Fukno F. Ça allait m'énerver et s'ils font des fusions entre Goku et Gohan, non là. Ah vraiment, là on aura touché le fond. Là ça serait du fan service, ce serait de la merde. J'aurais pas peur de dire les mots, ça serait vraiment de la merde. Il faut pas faire des trucs comme ça, Gohan c'est Gohan, et Goku c'est Goku. Avec la fusion avec comment il s'appelle. De toute façon ils ont même pas besoin de fusion. Le mec ils ont le Super Saiyajin God, Super Saiyajin, qu'est-ce qu'ils vont perdre leur temps à faire des fusions, sérieusement. Ça sert à rien. Il y a que les petits qui vont faire des fusions. Ouais, Diana, Romain. Les petits, ok, ça me dérange pas, les petits, parce que c'est normal, puisque ce sont les petits, mais les grands, ça suffit. Ça suffit. Ça deviendrait trop moche. Quoi. Je vais me battre ici pour voir qui y a comme ennemi ici. On sait jamais, on peut avoir une petite surprise. Un petit Mechakula. Ou un petit Broly. Non, je l'ai pas encore débloqué. Broly! Brocoli. Papa. Oh, ça c'est Batman tout pourri. Paranam.
Yarna! Il vient t'exploser contre moi. Voilà, bien joué. Good game. Oh non, laisse tomber, je gagne pas assez d'XP ici, autant aller se battre directement contre... Contre qui? Je ne sais plus, je ne sais pas. Bah il fait chier lui avec son, sa bannière là, j'en veux pas moi. Calme-toi, Love Chloé 45. Hein. Pas besoin de toi ici. Faut que je mette en place le bot pour enlever les comment ça s'appelle, le bot pour enlever ce genre de traquenard. Alors j'essaie de faire la musique Ikari no Will Poa de Trunk au piano mais je galère, et comme Vegeta je vais m'entraîner dur et arriver. Ah ouais, mais ça c'est ça, hein. Répétez les efforts. Bam. Oh là là, on se bat directement ici, sans pression, contre... Et je suis même pas mis le cynique avec nous. Ça va être marrant, ça. Oh non, bordel. Pam 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 pam. Ne cliquez surtout pas sur les liens de gens américains qui vous passent les liens. Ça sent le virus et les conneries à plein nez. Oh non, il m'a touché avec ça. Bordel, désolé pour le bruit. Voilà, c'est à mon tour, un petit triangle. Ah, il est violent, notre cher ami. Après, c'est quand même Frieza deuxième forme, de la puissance. Je sais pas comment il fait pour deviner, mais c'est un truc de ouf. Ça me dépasse. On va récupérer une barre de vie. Ah non, mince, moi aussi je suis tombé dans le manque d'énergie totale. Encore une fois. Non, moi aussi je suis dans le doubt. Comment ça se passe? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai fait un step mais c'est pas passé. Je vais changer mon équipement. Alors un truc que j'aimerais bien dans DBS, c'est que chaque personnage ait son heure de gloire ou encore un instant. Il est le plus fort dans... De qui est plus fort dans la... Saga Cyborg. Qui Trunks? Ah ouais, c'est clair là. Je me suis pris la max. C'est foutu de ma gueule.
Ah non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Je vais faire le fou comme ça. On va pas fusionner avec Dieu. Tu m'as cru, c'est une peau de l'enfer. Là, on va prendre un bol de tac. Et à nous la puissance. On gagne pas mal de points d'XP. Mais je pense, bon, moi j'aimerais bien, en fait ce que j'aimerais bien c'est qu'il calque un peu sur sur ce que fait Oda à côté, hein, le réalisateur de One Piece. C'est-à-dire qu'il crée un background pour chaque personnage, chaque nouveau personnage. Un truc qui tient sur une page, quoi. Chaque personnage avec leur passé, tout ça. Et voilà, que ça soit, qui ait du contenu en fait. J'aimerais bien. Et que ça soit long. Qu'ils prennent le temps. Non mais que ce soit pas toujours Son Goku qui sauve tout le monde, que ce soit le secondaire. Ah non, ça je pense pas que t'auras ça dans DBS, dans DB Super. Hein. Pour avoir ça dans DB Super, il fallait que Goku il meure. Hein. Même en mourant, il peut revenir, donc au final Goku sera toujours le sauveur. Oh non! Oh non! Ah, il m'a fait super mal! Ah, j'ai fait n'importe quoi là! Oh la vache, les dommages. Cette boule de feu. Oh non. Oh si. Oh attends les gars. Oh, c'est pas possible. C'est pas le fou là, Frieza-sama. Non. Ah, le décalage qu'il y a, c'est un truc de ouf. Sur une réaction des manettes, là, ça fait peur. Oh, il m'a explosé. Ouais. Ah, il est chiant avec son transformation là. Je me fais défoncer comme Sangwan dans la saga de Cell ou Piccolo contre Raditz, ou encore Gohan Ultime face à Super Buu, ou encore Vegeta sur C19. Ouais, mais eux c'était pas les gros méchants. Hein. À part Cell. Eux c'était pas les gros méchants. Hein. Mais oui, ils vont battre quelques sbires comme ça. Mais le gros boss, c'est Goku qui va s'en occuper. Hein. Ça c'est une évidence. Ah, j'utilise trop de... Allez. On va appuyer sur triangle pour voir si ça passe. Les gros boss, je pense que par exemple... S'il y a un combat contre le dieu de la destruction de l'autre univers, ça va être Goku qui va se taper contre lui. Hein. Ce sera pas Gohan ni Piccolo, tu vois, ils auront pas assez de puissance. Ils se feront tuer plutôt qu'autre chose. Mais ils iront s'occuper des petits sbires à gauche et à droite. Mais non, mais c'est pas possible, vous faites le truc pour
Le mec m'a enlevé 2 barres de vie avec sa connerie là. Ouais, moi aussi j'espère être surpris par par l'anime, par le manga. J'espère que Akira va prendre des risques. C'est ça, s'il prend des risques, ça sera beau. J'ai fait la même erreur que lui. J'ai utilisé mon... Faut que Akira prenne quelques risques, même si là au début on va se manger des phases reloues et des choses qu'on a déjà vues. Jouer la sécurité. J'espère. Par exemple, Gohan face à Bojack ou Goten Trunks Gohan face à Broly. Ouais, mais bon, ça c'est. Si tu regardes bien, Sangoku il intervient. Donc, voilà. Qu'on le veuille ou pas, Akira Toriyama ne peut pas enlever Sangoku. Ne peut pas donner le rôle de tuer les boss. Au personnage secondaire, c'est pas possible, parce que là s'il fait ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais ça serait bien et tout, mais au final le manga aurait une autre saveur en fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont tous se battre contre le gros boss, ils vont se faire défoncer, puis Goku il va les démonter quoi, il va le démonter, c'est tout. Après voilà, ce serait bien que... Ce serait bien qu'il démonte, qu'il laisse les autres personnages démonter d'autres gens. Alors désolé, je vais devoir y aller, je vais manger en me faisant les replays de Koh-Lanta. Merci encore Léa pour les écoutumes du mardi. Ok, pas de soucis, hein, je vais te chercher ça et je te passerai. C'est comme dans One Piece, c'est toujours Luffy qui bat tous les boss. Bah ouais, c'est comme dans One Piece, c'est... Voilà, ses compagnons, ils se battent... contre les seconds du boss, et puis après c'est Luffy qui se tape quoi. Oh non, il m'a bien eu. À voir. Je me suis fait U. Comment on veut regarder ça, la vraie scène du manga. Et quelle hyène, putain. Moi j'ai 2 barres de vie quoi, comme ça au calme. Pam 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 pam. Ok, je ne peux plus arrêter que lui. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ça passe. Ça passe pas, d'accord. Ça passe pas, le Dragon Rush ne passe pas. Sunna Bakana! Oh là là, caméra dégueulasse ici. Il perd vachement vite cet animal. Non! Putain! Oh, mais ça passe pas! Ah, c'est pas grave, il est quand même mort. Alors, c'est un superbe live en plus avec une bonne glace, la soirée est parfaite. Merci beaucoup, Dylan. Merci. Bah ça va, ça se passe pas trop mal pour une première sur Twitch. Et je suis assez content parce que tout ce que j'ai mis en place a l'air de bien fonctionner. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et l'interactivité est beaucoup plus rapide et c'est ça que je voulais réellement en passant sur Twitch. Son
Pour les lives, bah je préfère Twitch hein, largement Twitch. Après YouTube c'est plutôt en fait YouTube c'est plutôt un lieu pour stocker tes vidéos en gros. Tu vois, YouTube c'est tu mets tes vidéos que t'as préparées, par exemple la diffusion de live, les vidéos tests, les vidéos de tutos, quoi que les tutos je peux les faire en ligne, en live, et voilà. YouTube, parce que YouTube en fait il y a trop de problèmes pour les lives et c'est pas aussi performant quoi. Et je vais utiliser les deux, YouTube, il y aura les rediffusions, il y aura tout ce que je ferai à côté. Et Twitch, ça sera que les lives. Ah merci Dylan, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le bouche à oreille. Porunga. Ah oui, on est déjà fini. On arrive sur Terre là quand même. C'est ouf, on arrive sur Terre. On sauvegarde.誰もが諦めかけていたその時、謎の少年が現れ、フリーザを圧殺と倒してしまった。少年は一足遅れで地球に戻ってきた悟空に対し、自分は未来からやってきたベジータとブルマの子供、 C'est clair, là ça va être compliqué, quoique, non ça va, parce que là on se bat pas directement contre le sel parfait, on se bat contre le vermicelle, première forme, donc ça peut passer, ce qui va être chiant c'est 17, il va essayer de m'enchaîner vénère. Va falloir rester lucide pendant tout le combat. Je viens de voir que j'avais beaucoup de mangas à regarder là. Après le live pour rattraper mon retard. Il y a Dragon Ball. Les nouveaux mangas d'été là, sortis pour l'été. Ouais. Il y a pas mal de choses à faire, c'est cool. Pas mal de choses à regarder. Ah oui, les Dragon Ball. Faut oublier ça, c'est la base. Pam 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 pam. S'il te plaît, tu veux pas accès. Ça va, on est bien là, on enchaîne bien. J'enchaîne bien là les combats. On n'a pas trop de. Oui, ah ouais, bien Dylan, oui, exactement, oui, je vais continuer le let's play sur Ni no Kuni, bien sûr. Bah, le let's play, c'est pareil pour le let's play, parce que je vous ai montré que des phases
des phases où j'avais déjà avancé dans le jeu, j'ai pas commencé le jeu depuis le début, mais oui. Bah, c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne Twitch. Parce qu'elle va me permettre de streamer à l'infini, en fait. De faire des lives à l'infini, et ça, c'est cool. Parce que, comme j'ai dit, ça me permet de balancer des lives comme ça, sans pression. Et donc, ouais, il y aura la suite de Ni no Kuni. Je vais faire tout le reste en... C'est le RPG qu'on va faire en live sur ma chaîne, en fait, pour l'instant. Et quand je l'aurai fini, je passerai à un autre. Voilà. J'espère que ça te fera plaisir. Parce qu'en plus, il est trop trop bien, le jeu. Il y a plein de choses dedans, plein de références. Il est mortel, le jeu. Il est mortel. Et je pense mettre ces lives-là le samedi de 18h. J'aimerais bien le placer samedi de 18h. En gros, dans le meilleur des cas, ça sera de 18h à minuit samedi. Voilà, grosse session, parce que là, il n'y a plus de temps. Grosse session. Et ça, c'est dans les meilleures possibilités. Sinon, ça serait le samedi de 20h jusqu'à minuit, en fait. En gros. Après Ni no Kuni, qu'est-ce que je tente comme RPG? Alors, je sais pas trop, j'ai pas encore décidé. Parce que, en fait, il y avait Final Fantasy type HD là, 0, mais je l'ai terminé, en fait. solo dans mon coin. Je ferai un RPG que j'ai pas fait. Dans tous les cas, je ferai un jeu que j'ai pas fait. Je pense que ce sera un RPG sur PS2. Ça sera. Je ferai peut-être. Je regarde les jeux que j'ai. Parce que j'ai beaucoup de RPG à faire. C'est ce qui me fait réellement plaisir en plus, c'est d'avoir beaucoup d'RPG. Alors JRPG, hein, JRPG. En RPG occidentaux, je ne suis pas encore chaud pour l'instant. En JRPG, Wildarm 5. Parce qu'il m'a l'air vraiment super craqué comme jeu. Super craqué. Ah non, mais non, j'avais promis de faire les Kingdom Hearts. Ouais, je ferai Kingdom Hearts, si j'ai jamais fait. Voilà. Je ferai Kingdom Hearts, comme ça, ce sera fait. Et ensuite, je verrai. Voilà, Carida, je ferai Kingdom Hearts. Le 1, le 2, le 1.5, ou je sais pas quoi. Après, Ni no Kuni. Ah, j'ai pris la max. Sonoma, comment ? Mais il y a beaucoup de jeux, j'ai beaucoup de jeux à vous montrer quand même, c'est assez hallucinant. Hein. Beaucoup de jeux. Il a encore deviné cet animal. Voilà. Essayez un petit peu de varier le plaisir sur les lives, sur les streams. Bon, j'étais mon méchant préféré, ça va être les deux jumeaux là, San et Sucheron. Et Lee Sheron en général, parce qu'il dit des trucs de ouf. Ouais, il dit ouais, tu penses pouvoir m'impressionner avec ton minable niveau 4? Voilà.
En fait, c'est... moi je me fie aux personnages par rapport à leur dialogue en fait. S'il dit un truc de ouf, un dialogue de ouf qui m'ambiance, là c'est bon quoi, on est parti. Là j'aime bien le perso. Tu penses pouvoir m'impressionner avec ton mid-able du niveau 4? C'est de la triche. Ah ouais, non, mais là, elle a fait trop le fou. Fait trop le fou. Je vais lui montrer cette équipe Piccolo-sama. Quoi, Nani? Comment Piccolo, tu t'arrives à sentir l'énergie des cyborgs? Ils ont pas d'âme. Ils ont pas d'aura. Trop chaud, Piccolo Papa. Quand même des grosses idées très intéressantes dans Dragon Ball, hein. Le sync, la fusion, l'absorption du corps de l'autre et tout, c'est quand même assez ouf. Hein. Allez, on va s'équiper de la nouvelle technique. Fusion avec Dieu. Nouvellement, quelques sympos pour mettre la grenade lumière. Ah, par contre, Piccolo, c'est chiant, il a trop de techniques, c'est pour ça qu'il faut s'apercer. S'apercer pour prendre un maximum de plaisir quand on joue avec lui. Merci, Karedas. Ah, mais je pensais que tu faisais une vidéo parce que tu jouais tout à l'heure, là. Merci. Ah ouais, parce que moi, vu que je suis pas abonné à beaucoup de chaînes, je regarde souvent les mêmes personnes et... Je regarde le Hooper, mais le Hooper en ce moment, le mec, il n'est que des diffusions de live. Et le truc, c'est que ces lives, je les ai vus en live, donc... ça m'apporte pas grand-chose de regarder les diffusions. Après, je fouille un peu sur YouTube pour trouver... pour trouver la relève de perles rares. Et on se bat contre Vermicelle. T'as même pas... Même pas j'ai réagi. Il est trop stylé, Vermicelle. Oh là là. Oh la classe. La classe de Vermicelle. Ah ouais, tu bosses demain, c'est chaud. Hein. C'est chaud, t'as pas pris le week-end de 4 jours là. Pas posé des jours. Vermicelle. Santé de gars. On prend ça comme t'es dans le doute. T'es dans... Ah joli, c'est quoi c'est... Calme-toi, Vermicelle. Non, je répondrai... Dylan, je répondrai pas à la question, on m'a déjà posé la question tout à l'heure, non, je répondrai pas. Calmez-vous, je bosse dans le Twitch. Pour l'instant, là, je bosse pour vous. Ah ouais, c'est chaud. Ouais.
je bosse dans les lives pour vous, voilà. Juste retenir ça. Je fais des lives pour vous. J'ai déjà donné beaucoup trop d'infos sur, sur ma vie privée. Je vais garder quelques éléments secrets, hein, pour garder un petit peu quand même de mystère autour de moi quand même. Et peut-être qu'un jour, vous me verrez dans le journal et vous comprendrez pourquoi. C'est un gogo dancer. C'est clair, je fais tout. Gogo dancer, c'est pour ça que je passe la plupart de mes soirées à la salle de musculation à pousser de la fonte pour impressionner mesdames sur les pistes de dance. Écoutez cette voix de malade de sel, c'est un truc de ouf. La voix de psychopathe qu'il a, celle, mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ah ouais, tu as fait à peu près les mêmes heures tout le mois de juillet. Tu as entendu Kirisu? Karidas va faire à peu près les mêmes heures tout le mois de juillet. Donc voilà, de toute façon, je te préviendrai, je te dirai. Et on va essayer de bien se caler pour se faire le live. Le live sur BF4. Je pense qu'on a moyen de bien rigoler, franchement. Surtout avec mon talent inné de commandement. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser et faire un stream de qualité qui fera plaisir aux viewers. Pam pam. Grenade de Tfayato. Fais chier. Grenade de Tfayato. Ah ouais, ce DBZ, ouais, les graphismes, c'est un truc de ouf. Hein. Là, c'est une vraie remasterisation en HD. Hein. C'est-à-dire que là, ils ont changé. C'est quand tu prends Budokai 3 sur PS2 et sur Budokai 3, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Et là, l'HD a été bien... A été bien faite. C'est pas juste un upscale de l'image en 720, mais c'est carrément la refonte graphique du jeu, contrairement à Budokai 1 qui est juste un upscale du jeu. Quoi. Mais calme-toi, C17. Non! Oh là là! Oh, tu vas manger le grenade de fire, toi. Oh, il a fait du masque, du max. Chine! Tabaré! Ouais, c'est. Tabaré! Tu vas nulle part pour fuir. Tabaré! Trop stylé la technique de Piccolo-san. Ah, tu veux te la jouer comme ça? Power Breath! Oh mon dieu, j'ai pas réagi. J'ai suffi de plein feu sur ma tête. Encore une fois, Moichidona! Là direct tu balances. Non, j'ai pas réussi. Wouah, la barre de l'angoisse.
Non, il est esquivé cet animal. Qu'est-ce qu'il est bon. Sona Bacana, clair. C'est clair. Sona Bacana. Ah, il est trop stylé. Tu es trop stylé, tiens, on spam. On s'en fout. Ah, ça, c'est cool. Oh là là, cette maîtrise de Piccolo sur ce combat, incroyable truc de malade. Hein. J'ai été surpris par, par ce combo sorti de nulle part. Ah, si j'avais mis le truc de 100% de XP, j'aurais 60 000 points. Ça aurait été taré. Voilà, on est au max ici. Cette maîtrise de folie. Ah, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Daga. Nanda to? Dans ce jeu, mon personnage préféré c'est Oob. Oob et Goku petit. Et Badak. Voilà. Ces trois là ils sont trop puissants. Ils ont pas de transformation. Ils ont pas de transformation mais ils sont trop forts. Goku petit se bat avec, avec son bâton, donc c'est super stylé. Oob, il tape dans tous les sens. C'est encore plus stylé. Et il est super cheaté, Oob. Parce qu'il a 6 barres d'énergie de base. Ou 5 sur 7, donc c'est un truc de ouf pour un humain. C'est l'humain le plus fort du jeu. Après, il y a Badak. Badak qui est stylé. Ryuga, Strongwall. Ah oui, ta box a explosé. Nanda to? En fait, avec Piccolo, ça allait quand même assez vite. Contrairement à ce que j'aurais pensé. Alors, ce que t'as raté, bah, on vient de finir la saga de Cell avec Piccolo. On va faire la saga de Bou. Simplement. Rien de particulier à ce niveau-là. La vie secrète d'Elia, là. Kirisu a vendu le secret. Ah ok, d'accord. Oh, les mises à jour. Bah, heureusement que le live dure 4 heures. Hein. Ça nous a permis de venir de temps en temps voir ce qui se passe. Great Saiyaman. Great Saiyaman. Hyonna koto kara Mr. Satan no musume Beedel ni Great Saiyaman no shoutai wo minukarete shimatta Gohan wa barasaretaku nakereba 1 kagetsu go no Tenkaichi Budokai ni deru you ni to odosarete shimatta. はじめは乗り気でなかったご飯だったが、あの世にいる悟空が天界一武道会に参加するために一日だけ戻ってくるとき、がぜんやる気を出す。悟空が参加するならベジータも参加すると言い出し、 ご飯の弟であるゴテンやピッコロも加わって、何やらお祭り騒ぎの様相を呈してきた。その背後で、邪悪な魔導士バビディが史上最悪の存在、魔人ブーを復活させ、全宇宙を支配しようとしていることも知らずに、 Bon, la dernière Dragon Ball.
Witchy Dragon Ball. Dragon Ball. Where are you? Where my Dragon Ball? Je ne sais pas du tout où est la Dragon Ball, donc on va voir. Je vais faire d'abord ça, peut-être qu'il faut faire. Tu feras quoi? Du ligne? Du line? Du... J'ai pas compris, Strongball. Dans le ciel. Sur quoi? Ah, des gens multi. Ouais, pour le fun. Bien sûr. En live. J'ai prévu un BF4 là. Avec Caridas, Kirisu Chambers, Topher et Julio Vice. Donc il y aura déjà du BF4. Ensuite, en jeu de combat, il y aura sûrement du Tekken. Il y aura. Pour le prochain Sensei. Super, je passe dessus depuis. Je passe là depuis tout à l'heure, il était pas là Dragon Ball, fallait faire l'événement d'abord, d'accord. Je ferai le multi de Sensei. Je ferai tout le solo. Hein. Tout le let's play du solo. Calmement. Au calme. C'est un jeu que j'attends impatiemment. Le Sensei. Après on ira faire du multi quand j'aurai fini. Le solo, je pense que le solo on va le terminer en... Allez, comme j'ai prévu, on finira en quelques lives. Alors vous aimez Maximum The Hormone F? Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. J'ai déjà entendu parler de ça mais je sais pas ce que c'est. Qui est ici dans le champ de bande, pareil. Ok. Effet statue. Bam, bam. Non, ça sert à rien. Alors, est-ce que j'ai testé G-Star Victory? G-Star versus Victory, je sais pas quoi. Alors, moi j'avais déjà la version japonaise, la version import. J'ai terminé le jeu en version Jap. Donc, j'ai pas racheté le jeu. Ça sert à rien. Donc j'ai déjà terminé le jeu en version Jap, ouais il est vite fait hein, franchement c'est bien parce qu'il y a plein de personnages mais sinon c'est pas il vaut pas les 70€ quoi. Personnellement, pour moi il vaut pas les 70€ parce que j'aurais pensé que la version PS4, la version européenne, ils auraient fait quand même un effort au niveau des graphismes tout ça, mais rien à secouer les mecs hein. Ils l'ont ressorti exactement comme il était. Juste traduit en français. C'est pris. Alors moi je l'ai, je joue qu'avec une fille bien améliorée de ouf pour un grand fan de One Piece. C'est le jeu.
Ouais, mais moi j'ai beau être un grand fan de Dragon Ball et un grand fan de One Piece, le jeu il me peut. Voilà quoi. Wouah, il fait méga mon mal. Il fait méga mon mal. Dans le jeu, j'ai joué. Bah, moi j'ai joué en version Jap. Je vois pas l'intérêt pour moi de rejouer en fait. Si au moins le gameplay était beaucoup plus profond, tu vois. Oh, il me fait chier avec ça. Oh, il est méga moins rapide en plus, l'animal. Non, il est pas. En fait, le jeu il est pas si spécial que ça à jouer. Hein. Il est pas chelou. C'est un jeu typiquement japonais. Hein. Là, le jeu il est typiquement japonais. Il y a pas de. Comment on dit, il y a pas de mind game dedans, tu vois. Et c'est juste que. C'est juste que voilà, c'était. C'était bien au début. Après, bon, ça m'a vite gonflé. Alors les jeux Jap ça fonctionne sur PS2 français, je sais pas, non je crois pas. Bah non parce que les jeux sur PS2 sont pas les. Et les jeux Jap sont en NTCS, je sais pas quoi. Donc non. C'est que le mille que j'ai là. Ok. Je vais me faire. Défoncer comme il se doit. Alors pour trouver Ni no Kuni à cette heure-ci, ça va être super compliqué. Super super compliqué. Si t'as la Fnac à côté de chez toi, tu pourrais le trouver normalement, mais ça va être chaud. Franchement, pour dire la vérité, le jeu est tellement hype, tellement puissant, que aujourd'hui le trouver c'est super galère. C'est mégamment galère. C'est quoi ces grenades de lumière que je vais mettre? Grenades de lumière, voilà. J'enlève le. Si, hyper sur la Fnac, je pense, mais après, dans les magasins spécialisés de jeux vidéo, ça va être compliqué. Hein. Ça revient pas souvent en magasin, ce genre de titre. Oh non. Ah non, mais j'ai pas le devant. Oh, le chiant, le mec. Dak, c'est con parce que le CLD, il est quand même. Bah ouais, bah il faut pousser ta. Il faut pousser ta PS2 pour pouvoir jouer à des jeux Jap, des jeux importe. Oh mince. Là, je comprends pas, le Dragon Rush il se déclenche que quand ils ont en fait, c'est chiant. Ça va vite, ça va vite, ça va trop vite. Oh le mec, défense win. Défense win. Mais tu sais que Ni no Kuni il était gratuit sur le PSN Plus hein, il y a quelques temps là. Il était même baissé à 5€ hein, en démat. Donc après voilà, après tout le monde ne peut pas s'en faire. Oh putain, c'est long, bon. Ah, je spam. Voilà. Ça passe. Oh non, c'est pas le chien.
Bien joué. Oh, il commence son combo là. La musique de fond, c'est l'OST du jeu Dragon Ball Ultimate Battle 22. Toi, ouais, plus que moi. Oh mais arrête ça, c'est pas très mal. J'ai déjà utilisé son ki. Oui bien sûr j'en ferai des vidéos sur Tekken et sous Kalibur, mais pour l'instant moi j'attends ah fait chier, j'ai pas assez d'énergie. Pour l'instant moi j'attends Tekken 5 puisque Tekken Tag Tournament Monde 2 ça m'a fatigué. Le jeu m'a fatigué d'une violence. Donc j'attends j'attends Tekken 7 mais sous Kalibur bien sûr. J'ai pas encore fait le mode histoire de Soul Calibur 2 que je ferai en live dans 100 minutes de combo. Le mode histoire, donc oui, bien sûr. Oh le chien! Oh là là, le mec! Il a bouffé quoi? Laisse-moi! Oh non, j'ai pas le temps de réagir. Non, Dylan, non, je pourrais pas. Ah non, surtout pas le 4. Alors là, mec, je suis pas d'accord. C'était dur 4, il est pas top. Hein. Il est pas top du tout. J'ai déjà fait une vidéo dessus, il est mieux que le 5 mais il est pas... Je sais pas, j'arrive pas, ça m'emmerde. Parce qu'ils ont changé trop de trucs et... ils ont enlevé plein de trucs qu'il y avait dans... Si tu veux le Soul Calibur 3, plein de trucs de ouf. Soul Calibur 3, ils ont mis la max en termes de contenu, en termes d'armes, en termes de... d'histoire, tout ça. T'arrives à Soul Calibur 5, mais putain. Tu tires la gueule, hein. À Soul Calibur 4 et 5, tu tires la gueule, y'a rien dans les jeux. Y'a rien du tout dans les jeux, et ça, ça m'a gavé. Oh, il est fort, vite fait, hein. Bah, pff. Ouais, j'avais le jeu, hein. Je pouvais pas faire parce que j'ai plus le jeu, en fait, mais. J'avais le jeu moi à l'époque, hein. Je dosais dessus, je jouais en ligne tout le temps, j'ai passé quasiment toute ma vie sur le jeu. Et voilà, c'est pas le meilleur Soul Calibur que je puisse présenter. Après l'apprenti il est abusé, mais après bon. Tu prends Mitsurugi et tu l'exploses. Voilà, c'est direct. Et moi je joue qu'avec Mitsurugi. Bon on est pas mal là. Mais pas mal du tout. Est-ce que je fais des fesses commentaires? Non, je fais pas de fesses commentaires. Je laisse ça aux professionnels. Bon là on a vraiment moyen de le battre. Si je le bats pas, c'est vraiment que le game m'en veut. Mais non, putain, j'arrive pas à appuyer deux fois. Mon perso préféré c'est Mitsurugi. Eiichiro Mitsurugi, le samouraï. Je joue avec depuis Soul Blade.
Et si tu veux plus d'infos, tu regardes dans mes vidéos, j'ai déjà présenté Soul Blade. J'ai déjà dit, j'ai déjà parlé un petit peu du jeu, expliqué. Parce que Soul Blade c'est la base, Soul Blade ou Soul Edge c'est la base de Soul Calibur. Après, non, j'ai pas présenté Soul Calibur 1. Ouais, Maxi il est pas mal, mais je préfère Lilong. Quoi, c'est fini? On a terminé? Mais t'es un professionnel? Bah non, je suis pas un professionnel, je trouve. Je stream pour le plaisir. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt de montrer ma face. Quel intérêt? Ça apporte rien de intéressant ici. Pam pam pam! Hideo Shenron! On a fini avec Piccolo quand même, avant l'heure. On a eu le temps de faire Krillin. Piccolo, on est bon là, on est assez chaud, c'est pas mal. On avance bien. Ah ouais, mais là, il nous reste qui? Il nous reste Yamcha, Tenshinhan, Broly et Ub. C'est-à-dire que mardi, ça sera terminé. Mardi, on finira Budokai 3. Ça sera fini, Budokai 3. Tu vois. Ouais, mais j'ai pas envie comme voix. T'es un grand malade, toi. J'ai pas le niveau. Je suis là pour montrer du jeu vidéo. Maxi. Après là, le jeu que je voulais présenter dans son mini combo, le prochain jeu que je voulais présenter, c'était Diderolive, je sais pas lequel, mais je vais vous présenter un Diderolive pour parler un petit peu du système de gameplay et en quoi c'est intéressant et en quoi c'est marrant à jouer. Tout ça, même si moi je suis pas très fan de la série, et j'avoue qu'il a il a ses côtés, ses bons côtés. Alors on va, il est quelle heure là? Il est 46. On va continuer, on va avancer. On risque, ça s'est fait. Alors Tenshinhan qui a 3 chapitres. Yamcha Zou aussi, il a 3 chapitres. Broly 1 et Ub. Est-ce que j'ai débloqué Broly? Kakaroto! Mais j'ai Ub. Oui, j'ai joué à Devil May Cry 1, 2 et 3. Je sais pas, je joue au 4, on est au DMC Remake. Je vais peut-être jouer au DMC Remake. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas ce qui m'attire. Allez, on commence avec Tenshin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Yamcha Zou. La dernière fois, c'était au championnat du monde. Ouais, c'est un gros jeu, c'est des bons jeux les Devil May Cry. Surtout le 1 et le 3. Ils sont excellents. Le 2 est pas mal. Après, pour profiter bien du jeu, il faut mettre le jeu en mode extrême. Pour bien comprendre le jeu. Dodompa! Kikohoa! Kikohoa! On enlève tout ça parce que c'est hyper violent.
garde juste que des dumps pas, je veux des trucs pour monter le niveau plus rapidement. À nous la puissance. Putain, ça prend tout ça. C'est hallucinant. Kikoho. Allez, on est avec notre cher Tenshinhan Sama. Je sais qu'ici en... il y a le détecteur. Où es-tu, détecteur? Ouais, ça, les Devil May Cry, tout ça, ce sont des jeux à scoring. C'est-à-dire que c'est toujours un plaisir de refaire les missions pour avoir le rang triple S. Et autre au top, c'est ça le plaisir qui sort du jeu. Ça, il y a Bayonetta 2 que j'ai envie de faire aussi là en live, parce que j'ai le jeu sur Wii U et putain, j'ai plein de trucs à vous montrer les gars, c'est un truc de ouf. Zelda, The Wind Waker, la version HD à refaire, même si j'avais déjà terminé à 100% sur ma GameCube. La version HD, il y a le mode hardcore et des donjons beaucoup plus difficiles, donc on a moyen de se marrer. On a moyen de se marrer à ce niveau-là. Donc je le ferai un jour sur ma chaîne. Oh là là, Dylan, on parle des vrais jeux là. Onimusha 3, excellent jeu. La série des Onimusha, excellent, mais excellent jeu. Je les ai saignés. Le 1, 2 et 3, j'étais à fond dessus. Comme Tenchu 1 et 2. Ah, j'étais fou. J'en pouvais plus. C'est excellent jeu, franchement. Des licences qui ont disparu, mais on va les faire revivre ces licences-là dans, comme je vous ai dit, dans mon émission Retro Gaming H. On va se rappeler du bon vieux temps quand on jouait à des jeux avec, on jouait à des jeux profonds avec des ambitions. Des ambitions, donc ne t'inquiète pas, Onimusha, la série, on va se la refaire sur ma chaîne. En extrême, on va chialer, mais c'est pas grave. Parce que le vrai plaisir est là-dedans, c'est d'avoir mal. Parce que si on le fait en facile, en normal, je vois pas l'intérêt ici. Voilà. Il y a plein de jeux, j'ai prévu plein de jeux. Hein. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, je suis passé sur Twitch. Parce que Twitch va me permettre ici de faire pas mal de choses intéressantes et de m'épanouir, j'utilise des mots assez ouf, de m'épanouir en tant que streamer. Voilà. Sans oublier à côté mes vidéos tests et tout, voilà. Mercredi, il y aura le vidéo test de Batman Arkham Knight. Alors, je l'ai pas fini à 100%. Bah, je l'ai pas fini à 100%. Si, on va dire que j'ai fini à 100%, mais j'ai pas fait les défis de l'homme mystère, parce que la fatigue, et j'avais d'autres jeux auxquels jouer, mais j'ai fait tout ce qu'il y avait à côté, donc on va dire que j'ai pas mal rodé le jeu en mode difficile, qui reste très facile, parce que quand t'as l'habitude, quand t'as fait le 1 en difficile, le 2 en difficile, le 3 en difficile, l'origine plutôt en difficile, le Batman Arkham Knight, ça te fait marrer en difficile, quoi. Très simple, rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Après bon. Voilà. Ça manque de difficulté, des nerfs. Et puis après, j'ai réussi à faire des skips assez dangereux dans le jeu. Éviter quelques salles un peu quelque peu chiante. On gagne des points comme ça gratuitement. Ah oui, t'as joué à des vrais jeux, bah oui, c'est ça. Faut jouer à des... Oh, Zatenchi, ton talent va éclore dans les combats, bah toi, gagne de l'expérience. Papa, là, là, là.
Les vrais bails, comme dirait les vrais. T'as joué au vrai bail. Mimoucha. En plus, super bien fait des jeux, c'est un truc ouf. J'ai aussi Pass of Neo aussi à faire. Je l'ai là en face de moi, j'ai envie de le faire aussi en live. Trop de trucs, trop de trucs, les enfants. Trop de trucs, c'est cool. Parce que c'est bien les jeux récents, mais comme vous avez pu le remarquer sur ma chaîne, je fais pas de let's play des jeux récents, parce que je supporte pas ça, parce que le jeu vient juste de sortir. Je fais une émission The Balade, c'est-à-dire bon, on se promène, je vous montre un peu ce qui est à côté, je vous montre pas l'histoire principale, je vous montre un petit peu les possibilités, après je fais une vidéo test du jeu. Je fais pas de let's play dessus. Et je préfère faire des let's play sur des jeux beaucoup plus anciens. Qui mériterait de réavoir niveau 12. Wow, impressionnant, très impressionnant. Qui mériterait d'avoir un second souffle de vie. Tellement qu'ils étaient bien ces jeux-là. Paralalampa, quoi Tenchin. Si nous avons jamais rencontré Goku, crois-tu que nous aurons... Je sais pas, mais tu n'es plus le même qu'avant, tu te bats pour tes propres raisons. Tu as raison, pour l'instant je dois faire de mon mieux. Allons-y, ciao. Ciao Zou. Alors, V de ciao réduit la consommation de ki en mode hyper. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool pour ce genre de personnage, ça c'est pas mal. Le niveau 12. Tenchin, tu rigoles pas. Tenchin Han. Oura, oura, oura. Pam, pam, pam. Chose. Tenchin. Ouais, c'est suicidé là. Je l'ai mis le Shin Kiko, non le Kiko classique. Kiko, ah. Et là j'attends aussi l'ouverture du tournoi dans Xenoverse. Ah, j'adore le Dragon Point, cette technique elle est tellement stylée. Comme le Kiko, c'est un truc de ouf, voilà. Tenchin, il a les techniques les plus stylées au monde. Ah, t'as fait le fou. Le dompa. Garna. Je suis à voir. Ok, j'ai pas pris de... Oh, pas la vie. Oh, le gamin. Oh, le gamin. Oh non, mais quel gamin. Il m'a bien eu. Oh,
je spam tout le temps une technique. Oh non, mais c'est pas possible. Je suis pas à voir comme un bleu. La 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 la. Tellement stylé ce combo à ce mec là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Le style. Oh là là là. Machine à tuer ce Tenchin Han. Se téléporter ou quoi? Voilà, voilou. Bah, pas très compliqué, mais manque d'attention. 16 cool. 10, 6. Bon, moi je vais arrêter le stream ici, en tout cas, puisqu'il est 22h. Espérons que tout ça, ça vous a fait plaisir. Premier stream, réel stream sur Twitch. J'ai bien apprécié. Moi, je vais vous laisser ici et partir vaquer à mes occupations. Attendez, on regarde d'abord cette phase, parce qu'on va passer sur sur celle. Vegeta. Pam 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 pam. Et on se dit à lundi, pour ceux qui seront là lundi soir, pour Retro Game H. Mais ça suffit, j'ai dit qu'on arrêtait. Allez.
もらってくる。この星狙ってくるぜ。I love you can fight fight fight。俺が地球の盾になる。操作とコントロール止まらず戦う。煽りしくら止まらず守るために立ち向かえ。信念を込めた拳は誰にも負けない。見せてやれ明日を救う。